L'épisode de cette semaine est présenté, encore une fois, vous l'aurez deviné, par Polysleep. On clôt l'année 2020 avec Polysleep, avec notre partenariat qui dure depuis si longtemps. Polysleep, vous les connaissez, on en parle pratiquement à tous les podcasts. C'est une compagnie québécoise qui fait des matelas et des oreillers de grande qualité. Il y en a pour vraiment tous les goûts, tous les budgets, tous les besoins. Là, on approche de Noël. Si vous entendez ça, c'est soit Noël ou Noël s'en vient. Si vous avez des cadeaux de dernière minute à faire, des oreillers, c'est tout le temps bon. Dom pis moi, on vous en a déjà parlé, on dort sur des oreillers. Polysleep. Ils peuvent être plus larges, plus minces. Ils peuvent correspondre à vos besoins de sommeil et favoriser, vous l'aurez deviné, votre sommeil. Donc, on a un code promo, encore une fois, qui est D sans filtre S25 pour 25% de rabais sur tout, excepté les sommiers. Donc, dirigez-vous vers Polysleep. Si vous écoutez le Sans Filtre podcast, j'espère vraiment que, rendu à cette étape-ci, lorsque vous allez avoir besoin d'un nouveau matelas, puis c'est probablement même maintenant parce qu'on change nos matelas vraiment trop peu fréquemment, j'espère que vous allez penser à Polysleep. Fait qu'encore une fois, merci Polysleep pour la belle collaboration de 2020, puis on espère retravailler avec vous en 2021. Fait que sur ce, bonne écoute. Salut gang, c'est PH du Studio SF. Vous savez, ici au studio, on enregistre nos podcasts, mais on loue aussi l'espace pour plein de monde qui veulent enregistrer le leur. C'est un service clé en main qu'on offre. Ça vient avec l'équipement, ça vient avec l'audio, avec le vidéo, ça vient même avec Nicole qui travaille ici, qui va pouvoir vous aider à cheminer dans votre projet de podcast. Donc, si vous avez un nouveau projet que vous voulez lancer, si vous avez un projet que vous voulez amener à un autre niveau. Le Studio SF, c'est vraiment l'endroit où est-ce que vous pouvez venir faire ça sans vous tracasser. Puis si vous ne me croyez pas, ben vous pouvez écouter quelqu'un qui loue le studio. Donc, entendez-le de la bouche de Thomas Levac qui anime le podcast de Thomas Levac. Allô, je vais prendre un moment pour remercier Dom et PH pour le Studio Sans Filtre. C'est un incroyable environnement pour enregistrer et tourner des podcasts. Ce qui est génial au Sans Filtre, le studio est beau, il y a une belle ambiance et toute la technique est prise en charge par PH, Dom et Nicolas. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est me présenter, dire des niaiseries. Je prends le métro, j'arrive chez moi et mon podcast est dans mon ordinateur. C'est incroyable comme service. J'adore ça. Et je me sens totalement libre. Je sais que les gars écoutent mes podcasts et ils endossent zéro ce que je dis. Ils me laissent quand même la liberté de faire ce que je veux, comme je le veux. Et merci. Si je gagne ma vie grâce au podcast, c'est en grande partie grâce à Dom et PH. Alors, merci beaucoup. Grâce à vous, je ne suis pas obligé d'aller travailler au Subway et de me faire croire que je suis un artiste de sandwich. Merci beaucoup. Une production du Studio SF. Bienvenue à Sans Filtre, le podcast où est-ce qu'on parle de ce qu'on veut avec nos invités d'Atit. Je suis PH Quentin, avec moi Dom Plante. Salut tout le monde, je suis Dominique Plante. Ton imitation est on point. Hey, pareil. Si vous voulez nous encourager, gang, allez vous abonner à notre Patreon. On est actif sur notre Patreon quand même. Après chaque podcast, on fait un après encore moins de filtre en fait, que ça s'appelle où est-ce qu'on jam sur le podcast, on chill. 3$ par mois, vous avez accès à tout ça et vous avez aussi accès à tous les podcasts qu'on enregistre avant tout le monde. Aucune raison de ne pas aller sur Patreon. Cette semaine, bien excité. Oui, on a reçu une artiste que j'aime vraiment, vraiment beaucoup, qui a lancé il y a quelques mois son troisième album, Notre-Dame des Sept Douleurs. Elle s'appelle Claude Pelgag. Vous l'avez vu dans le titre si vous avez cliqué. Probablement que vous êtes au courant. Vous êtes au courant, mais bref, je le dis quand même. C'était super le fun. On a parlé de vraiment plein d'affaires, son processus créatif en studio, comment ça fonctionne, comment elle écrit des tunes. Puis on est allé dans plein d'avenues que vous découvrirez dans l'épisode qui suit. On a ri beaucoup, on a eu du fun, on a parlé de musique, j'ai parlé de mon obsession pour Bob Dylan, ça a duré 30 secondes, je sais pas pourquoi je l'ai dit dans l'intro. Non, mais non plus. J'étais vraiment content. C'était quelqu'un qui était sur ma liste personnelle de personnes que je voulais rencontrer avec le podcast. Mm-hmm. Et c'est maintenant fait. Check. Est-ce que tu qualifierais Claude de génie musical? Moi, je pense que s'il y a une définition, c'est pas mal ça. Ça frôle le génie. Ouais. Non, mais ouais, elle est vraiment, vraiment talentueuse. Si vous ne connaissez pas sa musique, si jamais vous êtes ici, mais vous ne la connaissez pas, allez écouter ça. Ses trois albums sont magnifiques.
Alors, je recommande fortement. Ouais. Écoutez. Puis la dernière fois, on avait fait un call to action. On nous dit que c'est ça qu'il faut faire dans les médias sociaux. Fait que, hey, commentez. Commentez, guys. C'est qu'on est branchés, man. Commentez. Nous autres, là, on est connectés. Nous autres, les jeunes, là. Nous autres, comment qu'elle dit? Je commence à me sentir un peu comme la Jocelyne. La directrice dans Radio Enfer. Là. C'est la psy. Yo, les jeunes! Yo, les jeunes. Je commence à me sentir un peu yo, les jeunes. Le temps passe 30 vite. Ans, hein. 30 ans approche. Ouais. En tout cas. Excuse-moi. je suis tombé dans ma tête un petit peu en parlant de mon âge. Une petite déprime. Écoutez, commentez, likez, laissez un thumbs up, laissez un rating sur Balado, sur Spotify, tout le kit. Puis bon podcast. Bonne écoute. T'as jamais fait d'impro? Non. Ça me manque de même. Là-dessus. Oh mon Dieu. Puis dans le fond, nous autres, on choisit un sujet pour en parler pendant une heure et demie. Je vais essayer d'allonger. Ouais. Comme on avait fait avec Ludivine, là, tu sais. Tu chantes pas, toi? Elle fait non, je chante pas. On parle de chant pendant 45 minutes en début. C'est vrai qu'on a fait ça. Toi, tu fais toute la musique? Non. OK, parlons de musique. Je sais pas pourquoi qu'on a fait ça, ce soir-là. Dis-moi qu'il l'ont dit en commentaire. OK, ouais, vous avez raison. Vous avez raison. C'est vrai qu'on a fait ça. Fait qu'on va pas parler d'impro avec toi. Non, ça va s'épuiser rapidement. Mais on risque de parler de musique, par exemple. D'accord. Tu fais-tu de la musique, toi? Un peu. Comment ça se passe, ta vie en confinement de musicienne, là? Ben, c'est ça. Ça va bien, mais c'est quand même des up and down, ouais, je dirais, ouais. C'est comme d'accepter chaque étape l'une après l'autre. Ouais, ouais. Mais le timing a été défavorable à ton égard, mettons. Là. Ouais. C'est pour peu dire. Oui, non. Non, ah ouais, OK. Mais ouais, je sais pas. Je trouve pas ça si dramatique que ça. Okay. C'est plus comme, mettons, personnellement, j'aurais envie d'en faire des spectacles. J'ai pas envie d'en faire 10 000. J'ai pas envie d'en faire comme plein, mais j'aimerais ça au moins en faire un. Juste moi, juste un spectacle, t'sais. Mais ouais, c'est ça. Mais sinon, c'est comme, moi, j'ai un jeune enfant. Ouais, c'est ça. Donc, je trouve ça quand t'occupe, même bien mettons. De passer ouais. du temps. Ben oui, c'est ça. C'est correct. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, on a reçu Daniel Bélanger une couple de semaines, puis tu sais, lui, c'était comme, ben moi, dans mon cycle de création, ouais. c'est comme, ça donne parfait, là. C'était comme, j'ai fini mes affaires, je rentrais en création. Fait que ça change rien à ma vie, tu sais. J'imagine. Puis il y en a d'autres que c'est comme, je sors mon album, je pars en tournée. C'est sûr que c'est là, pas là, le c'est meilleur, comme, mettons, au niveau marketing, ouais. c'est pas la meilleure chose. Momentum. Parce que, mettons, toi, ton album, il était prêt depuis un bout, je pense, en plus, quand que c'est arrivé. Il était prêt depuis, ça, il y a un an, il était comme prêt, je pense. Aïe, ah ouais. Ouais. Ah, ça doit être tellement. On était en mix, mettons, je pense, en ce moment. Ça doit tellement être souffrant de comme être assis sur de quoi que t'es fucking fier, mais que tu peux pas le montrer à personne. Ça doit être de la torture. Ouais. En même temps, tu sais, je comprends, tu travailles avec des producteurs, puis un label, puis eux, ils veulent juste que ça se passe bien. Donc, ils placent les trucs, puis ils font comme on va attendre pour que tout soit comme. Qu'on ait un beau plan et tout, puis on avait un plan extraordinaire. Tu sais, comme. Pour eux, c'était quand même la sortie la mieux préparée. De tout ce que j'ai jamais connu. Okay. Ah ouais. Puis là, ben, ça se passe t'sais, différemment, là, dans le sens où comme t'sais, l'album il sortait partout dans le monde en même temps. Fait que là, j'avais comme mes périodes de promo en Europe, par exemple, puis t'sais, les tournées là-bas et tout, puis une tournée au Japon aussi. Puis là, ben, t'sais, ça se passe pas. Donc, en même temps, j'ai quand même l'impression que l'album rejoint des gens tout de même puis oui c'est clair les gens ont eu le temps de l'écouter ouais exactement les gens ont eu le temps de consommer de l'art puis en ont besoin je pense là. Ouais puis au début t'es censé sortir en avril puis là t'as dit qu'on va rapporter puis après t'as fait ok fuck off là faut le sortir ben pas tant en fait c'est l'équipe qui ont fait ben on va tu sais là tout était paralysé là en avril mars là, c'était comme il y avait rien qui se passait il y avait rien tu sais on pouvait même pas les disques étaient pas prêts tout était la chaîne s'était arrêtée, on avait tout envoyé, mais ça s'est resté. Personne ne pouvait entrer dans les trucs. Puis même dans l'esprit. C'était quand même cool dans ce sens-là, comme le sentiment de partout dans le monde, pandémie mondiale, tout est arrêté. Comme
Puis là, tu sais, il y avait des genres de fake news, de comme l'eau devient bleue. Ouais. Comme, ouais, genre, les dauphins rentrent à Venise. C'est ça, c'est, c'est comme des affaires de même. Puis là, tout le monde, tu sais, à ce niveau-là, on était comme, oh, waouh! Enfin, le capitalisme s'arrête. Mais tu sais, ouais, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose. Tu sais, on le dit, on se plaint que le monde va trop vite, on est trop occupé, le monde est anxieux, tout ça. Puis là, d'avoir une pause forcée. Tout le monde, puis tu te sens comme, tu te sens pas mal d'arrêter tant que ça parce que t'as pas le choix, puis tout le monde est arrêté en plus. Fait que t'as pas non plus l'impression que tu te fais shifter à gauche puis à droite, là. Fait que c'est moi, tu sais, ça m'a fait chier, mais ça m'a fait du bien en même temps, tu sais, mettons, sur d'autres aspects. C'était un moment historiquement super intéressant. Dans lequel je pense que tout le monde avait aussi l'espoir qu'il y ait des gros changements. Là, ouais, que ça, c'est ça aussi. Qu'on ait des constats immense par rapport à plein de choses. Malheureusement, je suis pas certaine que c'est... J'ai le feeling que toute cette espèce de... Tu sais, quand on est tombé dans le premier confinement, là, on sentait vraiment une effervescence de comme la communauté, puis OK, tout le monde ensemble dans le même bateau, puis on prend une pause, puis la pause... Fait que, tu sais, il y a deux affaires qui sont passées. Premièrement, la communauté s'est vite revirée de bord en commençant à se pointer du doigt, puis à re-questionner toutes les décisions qui étaient prises. Là, fait que la communauté est devenue rapidement séparation encore plus grande. Puis l'espèce de confort de se dire « OK, la vie est effrénée, tout va trop vite, on est anxieux. » Pendant deux semaines, c'était comme « OK, un break forcé pour tout le monde. » Puis après ça, c'est devenu « Mais là, l'anxiété est encore pire à rien faire. » Fait que cette espèce d'effervescence-là, ça l'a arrêté rapidement, j'ai l'impression. Mm-hmm. Là, ben on est conditionné là à être performant puis comme à courir là, tu sais, aussi je pense que c'est difficile de se battre contre des années de brainwash, de juste comme il faut que tu trouves qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, après va à l'école, mais il faut que tu aies des loisirs qui t'apportent quelque chose, qui te font grandir comme être humain. Puis là, tu sais, il y a de quoi... C'est ça, tu sais, c'est sur deux semaines, tu sais. OK, là, c'est rien quand même. Puis toi, dans ton art, mettons, t'es-tu workaholic puis un peu carriériste ou... Ça dépend vraiment. C'est pas sexy de dire oui au mot carriériste, mais... Ben, carriériste... Je pense que oui, un peu, dans le sens où... comme j'ai quand même des ambitions, mais c'est pas les ambitions... Ambitieuse est un plus beau mot que carriériste, absolument. Vraiment. Effectivement. Mais c'est sûr que j'ai des ambitions. Genre, mais c'est pas nécessairement... Mon ambition, c'est pas d'être comme partout, puis genre d'être connu, puis tu sais, d'affaires de main, c'est comme... C'est pas là, ma partie préférée, là. Mes ambitions, c'est plus comme, mettons, avancer dans ce que je fais, puis évoluer dans la forme d'art que j'exerce ou que j'essaie d'exercer, en tout cas. Puis que... Donc, mes pensées sont beaucoup dirigées vers ça depuis toujours. Puis, depuis toujours? Cette follow-up question-là qui arrivait de dire est-ce qu'au début, c'était un petit peu aussi de l'idée d'être capable de vivre de ça? Tu sais? Parce qu'il y a quand même l'enjeu monétaire qui est au-delà de vouloir s'améliorer puis grandir en tant qu'artiste. Il y a quand même l'enjeu monétaire qui tu vas arriver puis qui te permettent de grandir en tant qu'artiste, mettons. Ouais, mais rapidement, j'ai quand même réussi à en vivre. Ouais. Puis oui, c'est sûr que l'enjeu monétaire, c'est quand même un métier qui, t'es le moindrement anxieux, c'est sûr que ça porte à ça quand même. La vision du futur, puis genre comment tu t'évolues, comment t'arrives à comme garder... être pertinent à toutes les époques de ta propre vie, je sais pas. Puis le doute sur sa création, là, tu sais, mettons, dans la création, il y a des phases, là, tu peux passer du moment « Eureka, c'est la plus belle chose que j'ai jamais fait », puis le lendemain, tu dis « Je trouve ça à chier », puis genre, passer entre ces deux états-là, souvent, là, tu sais. Ouais, mais exactement. Mais, tu sais, moi, je suis toujours dans le doute quand même, mais, tu sais, j'essaie de le travailler, là, d'être comme... positive et tout, là, mais tu sais, c'est quand même, je pense que c'est que le doute, c'est difficile à gérer aussi parce que ça fait partie de la création, comme c'est un moteur
inégalable, genre de douter de soi-même, de vouloir se surpasser, de se surprendre, puis de pas s'asseoir, là, puis d'être confortable. Puis en même temps, des fois, c'est juste quand tu perds le contrôle de ça. C'est ça, je sais pas. Même la perte de contrôle, c'est bien puis c'est mauvais, là. Comme, ouais, je pense que les meilleures choses arrivent quand tu perds le contrôle, parce que justement, t'es pas en train de trop intellectualiser ce que tu fais. Puis ça, c'est la plus belle partie de la création, d'après moi. Mais perdre le contrôle de ses émotions, comme, mettons, dans une vie, dans la vie... de tous les jours. De tous les jours, c'est pas la meilleure zone, là. Non. C'est pas. Donc, ouais, y a tout est un peu à double tranchant. Donc, le doute, c'est aussi... c'est intéressant, mais, tu sais... Des fois, je pense qu'on réfléchit beaucoup trop, là. Tu sais, comme juste en m'en venant ici, je suis comme... Tu sais, moi, une de mes peurs dans ce métier-là, c'est de trop être surexposé. Ouais, OK. Ouais. Mais je pense pas que je le suis, là. Non, inquiète-toi pas pour ça. Mais comme, mettons, moi, je me... Si je fais trop de trucs, en même temps, là, médiatique, truc, comme je me gosse. Tu seras pas au trichant, mettons, là. Non. Des squelettes dans le placard. Tu sais, j'en parlais dernièrement avec quelqu'un, tu sais, comme on est tellement pas habitué de voir du monde mal à l'aise, ou genre du monde un peu off, ou comme du monde normal, dans le fond, là, qui réfléchissent. Ouais, c'est ça, tu sais, qui réfléchissent en temps réel. Puis que, mettons, tu me poses une question, je fais comme, c'est ça, c'est pas ça, bon! Ça fait pas de la bonne télé, là. C'est ça. Fait pas un bon épisode du Trichard. Même la radio, là, tu sais, c'est comme... Ils stressent à l'autre bout du téléphone, là, quand tu fais ton entrevue. Puis si tu laisses un petit silence, ils vont se glisser dedans, puis ils vont poser une autre question. Ouais, c'est ça, c'est pas très à la mode dans l'espace. Mais tu vois, ici, t'as le droit de faire des pauses aussi longues que tu veux. Bon, ben, je vais les prendre. Même que c'est pertinent de réfléchir à ce que tu vas dire avant de le dire. J'aimerais ça qu'on fasse un 30 secondes de silence, en fait. 30 secondes de silence radiophonique, là, juste entendre la ventilation en haut. Ou placer des petits micros là, sur le... toi, t'as pas eu l'impression qu'il fallait que tu participes à ce jeu-là, à ce genre mais de danse-là? Je participe quand même un peu, là. Ouais, mais pas... Moins que beaucoup de monde. Hein. Moins que plusieurs, mais tu sais, moi, je fais de la musique, là, tu sais, dans le sens que ma musique, j'essaie de la porter puis de faire des trucs pour que ça aille vers le monde. Puis, tu sais, des fois, je fais des trucs plus grand public juste parce qu'il me dit qu'il faut de la diversité dans l'espace médiatique. Comme, tu sais, moi, si je suis une adolescente, puis là, mes parents regardent la télévision, puis je vois tout le temps la même affaire, je me reconnais dans rien, je trouve ça plate, la vie, puis là, je suis comme... Tu sais, c'est le fun de voir quelqu'un qui est un petit peu tout croche à la télé, puis là, je fais comme, OK. Puis là, c'est un peu drôle, tu sais, comme, mettons, Jean Leloup, ça faisait du bien quand il était... Tu sais, moi, j'ai toujours adoré ses entrevues, parce que, oui, là, il est souvent présenté comme un peu fou, mais pour moi, il est pas fou... je pense qu'il a de la difficulté à gérer, peut-être, mais c'est comme... De toute évidence. Oui, sauf qu'il y a des réflexions beaucoup plus pertinentes que 99% des trucs que je regarde quand un artiste ou vedette va à la télévision, puis qui parle juste de comme, ah oui, moi, parce que là, le confinement, là, ma coupe de cheveux, là, mais toutes les entrevues de Jean Leloup, c'est tout le temps des chefs-d'œuvre. Oui, c'est comme, ça pourrait être scripté. C'est incroyable, tu sais, il y a un esprit, il va jamais répondre à la question de la manière que tu t'attends, puis la manière que quelqu'un de, entre guillemets, normal va répondre. Il va trouver une twist, il va partir sur autre chose. Ça, je trouve ça malade. Mais il passe des idées aussi là-dedans, puis il y a comme des grands moments de vérité. C'est ça l'affaire. Parce qu'il est, tu sais, il est pas en contrôle, là, justement. Là, comme, fait que ça, c'est beau, là. C'est de la pureté, là. Tu sais, c'est pas comme quelqu'un qui est entraîné à performer, puis qui a anticipé les questions qu'on allait lui poser, puis il est comme conscient de tout. Je trouve que, dans le cas de Jean Leloup, je trouve que le format, justement, le format qu'on parle depuis tantôt, qui est radio, qui est traditionnel, fonctionne vraiment pas pour lui.
Au sens où, mettons, je pense juste à Tout le monde en parle, quand il était là, Tout le monde en parle, puis qu'il racontait l'histoire où est-ce qu'il s'était acheté une maison, puis qu'il était, il payait son hypothèque, puis que l'année, il a juste fait « fuck, tu sais, c'est pas ça que je veux », fait qu'il a tout vendu, puis t'es allé vivre dans une montagne, t'es fort, tu sais. Ouais. Puis là, t'as comme tout le monde autour qui prennent ça comme une anecdote comique, tu sais, qui font genre hey, « non, c'est ça, bonne histoire drôle, tu sais, on punch, c'est de l'humour, c'est drôle », mais comme derrière tout ça, c'est pas si drôle que ça, tu sais. C'est comme c'est une réflexion vraiment plus lointaine sur quelqu'un qui fondamentalement essaie de vivre dans le moule qu'on l'impose, exact. Mais qui décide de le rejeter. Tu sais, ouais. C'est comme peut-être que c'est surintellectualiser l'histoire comme telle, mais je trouve que le traitement de juste prendre ça comme une anecdote drôle puis de caser ça dans Jean Leloup, fait qu'il va nous raconter des affaires qu'on va rire, tu sais. Mm-hmm. Ouais. Puis je trouve que tu sais, dans un concept, dans un contexte comme un podcast comme ça, une conversation, moi ça serait un rêve, là, tu sais, de recevoir Jean Leloup, puis juste. Ah ouais, tu as senti que tu étais prisonnier dans la maison avec ton hypothèque, tu sais. Mm-hmm. C'est quoi le sentiment que tu as eu, puis qu'est-ce qui a fait que tu as pris le choix de ne plus le faire, tu sais. Fait que c'est comme toute cette espèce de. Toutes les gens qui vont pas. Comme tu disais, des gens un petit peu champ gauche, un petit peu off de ce qu'on s'attend à voir, tu sais. C'est toutes des. C'est des choses qu'on aimerait ça aller plus en profondeur, mais que les formats traditionnels nous le permettent pas. Puis de le suivre dans son train de pensée aussi, plutôt que d'essayer de le ramener dans ta liste de questions que tu avais préparée. Puis souvent, c'est ça, ce genre d'entrevue-là. C'est comme j'ai ma liste de questions, tu en poses une, puis pendant que tu me réponds, je t'écoute moyen pour te poser, l'autre d'après. C'est tout le temps, c'est pas une conversation. Là, ça va pas, tandis que justement, de l'avoir ici, puis de pouvoir le suivre, tu sais, puis d'embarquer dans son voyage plutôt que de faire non, reviens, reste normal, tu sais. On va l'inviter. On va l'inviter. Il est dur à rejoindre. Mais moi, je trouve ça beau juste aussi que, mettons, ça ait passé à la télévision de masse, là, aussi, oui, parce que c'est quand même une idée, tu sais, qui est comme. Je veux dire, c'est pas le seul à se sentir emprisonné par les murs, là, tu sais. Les murs étroits qu'on grandit, là, on devient adulte, puis c'est comme « fuck, faut faire les impôts ». Là, quand t'es travailleur autonome, c'est genre « fuck, OK, c'est une montagne insurmontable. La vie, dans le fond, là, c'est... Je suis obligée de faire ça, puis, tu sais, après... C'est ça, lui, il parlait de ses REER, là, il a entendu dire qu'il fallait faire ça. Fait que là, maintenant, il y a comme un instant de lucidité. Je vais genre me mettre un instant de lucidité, puis genre, je vais comme essayer d'entrer dans le truc. Puis il était pas bien. Puis, tu sais, t'as le droit aussi de faire ça. Puis, t'as le droit de pas adhérer à tout ça. T'as le droit aussi de pas prévoir ton avenir, là. Mm-hmm. C'est vraiment pas comme quelque chose de suggéré. Genre qu'on nous suggère nulle part, mais tu sais, on l'oublie, là, mais ça enlève un poids de faire comme, c'est vrai, je suis pas obligé de tout prévoir. Mm-hmm. Je suis pas obligé de travailler pour ma retraite. Hein. Des gars que, comme ça, justement, ça me fait penser... Tu sais, le poème L'Albatros, là, de Baudelaire, là. Je sais pas si t'as tiré une cloche. Non, mais en gros, tu sais, c'est comme L'Albatros, il est beau quand il vole, puis qu'il a ses grandes ailes, puis quand il marche sur le sol, il est comme maladroit, puis pas beau, tu sais. Puis. Il se fait poker par des matelots, là. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis c'est il comme. Il est sur le cape, là, il se fait. Puis j'ai l'impression que ce genre d'artiste-là, c'est quand il fait son art, puis quand il dans sa création, puis son œuvre, puis. Quand il brille vraiment où est-ce qu'il est supposé être, mettons, voler, là, comme l'Albatros qui vole, c'est comme, c'est la plus belle chose. Mais justement, dans les genres de trucs concrets, terre à terre de la vie, c'est comme, ça fit pas dans, justement, cette espèce de... C'est comme de... l'école. Ouais. Tu sais, je veux dire, ça, c'est tough, là, quand tu fit pas, là. Toi, tu fitais-tu à l'école? Non, je pense pas. Non? Non. Comment ça s'est passé... Mettons, quand qu'on. Tu sais, là, on parle de Jean Leloup, mais est-ce que la situation, tu la sens, toi? Est-ce que tu sens que dans justement ces affaires-là, est-ce que tu sens que t'es vraiment plus toi quand tu fais ton art que quand tu fais tes impôts, mettons? Ben là, oui, mais comme tout le monde, là. J'aimerais rencontrer la personne qui est comme moi, la personne. Il y a genre beaucoup de comptables, sûrement, qui trient. Ben, oui, mais son fait comptable. Ses impôts, là. Mais tu sais, je dis les impôts, mais. C'est plus une image pour représenter la vie quotidienne, là, tu sais.
Ben oui, là, c'est sûr que tu sais, il y a rien comme ça, comme j'aimerais qu'il y ait plus de cas, ben pas de cas, mais tu sais, de d'endroits dans la vie où on ressent ce genre de truc là, comme tu sais, c'est quand même un espace qui est comme hors de tous les autres. Le moment que tu crées, tu veux dire? Ouais. T'aimerais ça ressentir ce feeling-là plus souvent, ouais, dans ta vie, mettons? Ailleurs? Ouais. Ouais. Mais oui, c'est sûr, je me sens beaucoup plus... mettons, je sens que j'ai plus une raison d'être quand, ouais, je fais ça que quand je fais n'importe quoi d'autre. Là. Mmh, ouais. Je veux dire, comme, OK, se nourrir, cuisiner, se nourrir. Agréable, manger, j'adore. Agréable, mais, très agréable. Mais, tu sais, comme, je sais pas, là, des fois, je trouve qu'il y a rien, ça a pas de sens. Comme, ouais. J'ai de la difficulté, des fois, à trouver le sens. Comme, tu sais, quand j'ai des dents, par exemple, je suis comme, mais comment, là, j'observe, je suis comme, mais comment les gens font pour être heureux, ouais, dans comme tout ça, là, qui est comme on dirait que c'est juste des choses qui se répètent, puis qui c'est comme une boucle, tu sais, puis à, mm-hmm, toutes les époques, c'est comme la même chose qui revient, puis faut réapprendre à la prochaine génération, c'est ça, c'est comme à ne pas être c'est par exemple à respecter les femmes, à, mm-hmm, comme t'sais, que le racisme ça existe, t'sais, le respect que ça existe, ça c'est comme toujours à refaire un peu, mm-hmm, c'est quand même quelque chose, t'sais, de se dire que puis là on essaie d'instaurer comme un système qui ferait que quand t'arrives dans le système c'est déjà ça, là, ouais, puis que t'apprends tout ça, puis que c'est comme un système qui fonctionne, puis qui te prend, puis qui t'éduque de la bonne façon. Mais c'est pas ça qui se passe. Là. Puis est-ce que c'est atteignable comme objectif d'arriver à créer un système qui nous forge? Puis en même temps, tu veux pas que tout le monde soit pareil non plus? Fait que, mm-hmm, c'est comme... Je pense qu'il y a quelque chose dans la nature humaine qui fait que si, mettons, dans une classe, il y en a 23 qui se ressemblent plus, puis une personne qui ressemble moins, mettons, mm-hmm, physiquement, l'enfant, instinctivement, il va... Il, mm-hmm, faut que tu lui dises non, tu pointes pas du doigt, puis tu fais pas, ouais, ça. Il faut comme réapprendre tout le temps. Oui, c'est drôle parce qu'en même temps, ça pourrait être aussi comme ah, tu sais, il est différent, il est cool. Nice. T'sais, dans le sens, okay, moi, je trouvais ça cool quand j'étais enfant, quand même, les gens différents. Ouais. Possiblement que c'est la création sociale qui fait que la réaction, c'est pas cool, mais c'est intrigué, puis l'intrigué devient rapidement connoté négativement par ton entourage, puis par... Ben ouais. Tu sais, un enfant, naïvement, va regarder quelqu'un de différent, va dire « Ah, il est différent », mais il n'y aura pas de jugement par rapport à la différence, là, tu sais. Mm-hmm. Tant que le jugement lui est pas inculqué, là, tu sais, ou qu'il n'a pas grandi dans ce jugement-là. Là, mais l'adulte, j'imagine, est pareil, tu sais. C'est ça. Non, c'est comme... ça s'en va pas. C'est ça, puis c'est comme... genre Claude Gauvreau qui disait qu'on a peur de ce qu'on connaît pas, dans le fond, c'est de la peur, parce, mm-hmm, qu'on se sent attaqué dans nos certitudes parce qu'on connaît pas, puis là c'est comme une réaction, en, mm-hmm, fait, mm-hmm, mais si t'as confiance en toi, là, puis que t'as pas peur d'aller vers l'autre, là, il y a pas tant ça. C'est-tu quelque chose, c'est des réflexions, pas, que t'as plus depuis que t'as un enfant, mettons? Cette espèce de... Non. Non? C'était déjà là. Ouais. Non, mais tu sais, c'est sûr que je pense... À ça, mettons, quelle valeur, non, tu vas transmettre, là, tu sais, puis quelle... J'imagine que tu dois y penser. Là. Ouais, puis tu sais, si tu réfléchis trop, là, à comme le monde dans lequel on est, là, dans... Quand... avec les réseaux, là, t'es conscient, là, tout le temps, de, ouais, les, ouais, mauvais trucs aussi. Ouais. Si tu réfléchis vraiment beaucoup à ça, pense pas que ta première réaction, c'est de faire un enfant, à moins que tu le, non, fasses non. Pour comme en ayant la... En ayant l'idée de sauver le monde avec ta prochaine vie. Vraiment comme pour... Mon enfant, ça va être The Chosen One. Ouais, ça va être Néo. C'est ça. Ah, il va tous nous sortir de la matrice. Là. Mais en même temps, je pense que c'est bien comme d'être conscient de tout ça puis de pouvoir l'expliquer à un enfant. T'sais. De faire comme... Ah, mais
ça se peut que mon enfant, à un moment donné, voit quelqu'un différent, fasse comme elle réflexe de rire ou comme de pas aimer ça. Mm-hmm. Puis là, de le prendre à part puis d'expliquer comme mais pourquoi, puis de questionner ça, puis qu'il y ait comme un genre, une conversation, là, tu sais, je pense pas qu'on a... Tu sais, même à l'école, ça, tu sais, un enfant qui ressent ça, il y a personne qui le remet en question. Tu sais, ça fait juste comme, non, fais pas ça. Mm-hmm. Mais, OK... Mais s'il comprend pas pourquoi, il va pas comme arrêter de le faire. Ouais. Puis souvent, quand tu demandes à tes profs là, ou que tu contredis un professeur là, à l'école, ben genre lui-même, il est comme heurté parce qu'il se fait contredire. Puis là, il est comme... Ça ébranle sa confiance. Fait que là, c'est comme... Non, va en retenue. Tu sais, c'est comme genre communiquer à tout le monde, s'il vous plaît. Toi, tu devais être cet élève-là là, qui remettait, qui... Moi, je me faisais qui questionnait souvent les profs, là. Sortir dehors. Okay. Puis même que j'avais mon bureau pendant une période. T'avais ton bureau dans le couloir? Ouais, c'est. Mais ben, particulièrement une année, là, après. J'ai comme catché. C'est quand même long, un an dans le couloir. Ouais. C'est quand même... Mais je pense que ce professeur-là était particulièrement. Avait particulièrement pas confiance en lui. Mais qu'est-ce que tu faisais? Tu remettais en question ou t'étais juste dans l'une? Je faisais beaucoup des ou... blagues. Je faisais rire les gens. Comme ça m'a pris du temps, mettons, à l'école, de comprendre que c'était pas une joke. Genre que l'école était pas une joke? Ouais, que c'était pas une joke. T'es persuadé depuis que tu t'en vas à maternelle, que tu quittes la maison, t'es persuadé que c'est un gros ben, prank de tes parents. Ouais, c'est comme un jeu, parce que là, avant à l'école, ils te font, tu joues à l'école. Ouais. Puis là, tu sais, t'arrives à l'école, tu sais, comme, oh, enfin, mon rôle. Tu sais, je sais pas. Ah, ça m'a pris là. Du temps à réaliser que c'était pas un jeu. La plus grande mascarade de l'histoire. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, qu'à l'école, moi, ado, j'ai plein d'affaires que j'ai appris qui sont importantes, mais qu'à l'époque, je le réalisais pas en tout que c'était important, tu sais. Mm-hmm. D'apprendre l'accord du lac Meech, là, je voyais pas l'utilité mais à l'époque. Mais tu comprenais pas pourquoi, peut-être, c'était important de... Mais oui, c'est ça, exact. Ouais, je comprenais pas le pourquoi. C'est la chose la plus fondamentale. L'accord du lac Meech. Oui, mais tu nous en parler. Non. Peux-tu nous expliquer l'accord du lac Meech, s'il vous plaît? Parce que tu sembles l'avoir appris à l'école. Ben ouais, tu as quelque chose avec ça, je sais. Non, je voulais dire, on peut parler de l'accord du lac Meech pendant, ça me dérange pas. Là. Quoique... Finalement, j'ai jamais su c'était quoi. Ben, moi, excuse-moi, on va juste couper ce bout-là. Non, mais... on fait des jokes, là, mais ce qui est fondamental, ce que je voulais dire, c'est de comprendre le pourquoi. Pourquoi c'est pertinent d'apprendre ce que j'apprends là. Sinon, justement, l'école, c'est absurde. Là. Mm-hmm. Comme pourquoi je suis assis là à écouter quelqu'un mm-hmm. parler, tu sais. Ouais. Puis pourquoi lui a comme toute l'autorité. Ouais. Pourquoi cette prof de morale-là est moralement... supérieur. Ouais. Mais faut pas. Dernièrement, je suis allé prendre un café avec une amie, puis on s'est mis à parler. On est tombé dans le. Un petit peu le, ce que tu disais tout à l'heure de comme le questionnement de dire à quoi ça sert, mettons. Tu sais, ce qu'on fait, là, tout le monde, ce qu'on fait. Quel est mon. Un objectif, quelle est la fin de mm-hmm. l'histoire, est-ce qu'il y a une fin de l'histoire, tu sais, c'est quoi, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu'on fait tout le monde, là, tu sais, à chaque matin à se réveiller puis à travailler pour quoi, là, tu sais, mm-hmm. puis cette question-là est extrêmement angoissante quand tu y réfléchis trop, tu sais, puis le même principe, mettons, de tu sais, pour l'absurdité de l'école, quand tu y réfléchis, c'est comme tu fais tabarnak, c'est vrai, esti, que ça, tu sais, que si je c'est pas bien, là. Tu sais, mettons, si au secondaire, je m'étais vraiment posé la question, qu'est-ce que je calisse site, mettons, là, tu sais. Ouais. Vraiment, là, si je m'étais posé la question en secondaire 5 à faire de la chimie physique puis des maths, faire tout comme... Tu t'en calissais qu'est-ce que je fais ici? Ouais. Mais j'étais juste, je me posais pas la question, tu sais, parce que on m'avait dit que c'était ça qu'il fallait que je fasse, tu sais, ouais. comme on nous dit que c'est... Qu'est-ce qu'il faut faire, c'est participer au système dans lequel on est, tu sais, puis... Mais mm-hmm. quand tu te poses vraiment la question, tu fais « Chris, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre, tu sais, puis c'est quoi, tu sais? » C'est complètement angoissant de penser à tout ça aussi, mais je pense que c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles il y a tellement de gens qui adhèrent à la forme qu'on nous impose, là, parce que c'est sécurisant ouais. d'avoir des marques au sol, là, puis de faire comme mm-hmm. suivi, tu sais. Ouais.
puis faire... Ouais, d'avoir, d'avoir de la, la lumière dans le noir, là, des flèches qui, t'en, qui t'amènent. Ouais. Tu sais, ouais, plutôt que d'être comme... Tu sais, de créer son chemin, d'essayer des trucs, de se planter, de recommencer. Ouais, je sais pas. Mais toi, de faire ton art, mettons, est-ce que ça te satisfait? Est-ce que tu trouves tes réponses là-dedans, dans le sens que... Ouais, moi, j'aime beaucoup ça. Non, mais j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça, faire de la musique. Mais aussi parce que c'est comme inutile et utile, genre, en même temps. Ouais, mais c'est ça. C'est comme... Il faut arriver à trouver ça utile, je pense. Parce ben, que, mettons... moi, je pense que c'est complètement utile et complètement inutile comme tout. OK. Ouais. Comme faire un podcast, mettons. Ouais. OK. Ouais. Tu sais, je veux dire, comme ma musique, est... si elle est pas là, là... La vie continue. Ouais. Mais si elle est là, ça passe de quoi aussi? Ben, peut-être ça bonifie la vie d'autres personnes ou ouais, ça envoie du beau... ben, du beau, là. C'est pour ceux qui le voient, là. Mm-hmm. C'est comme... dans l'air, puis ouais, je pense que c'est bien de lancer des choses positives dans l'air, en général. Je pense pas que, mettons, réparer une voiture ou construire une voiture ou... parce que, tu sais, on associe souvent, genre... tu sais, justement, pendant le... ben, la pandémie, de mettre les trucs en ordre de... ouais, d'importance. Disait, d'importance. Ouais. D'essentialité. D'essentialité. C'est ça, le ouais, truc essentiel, c'est comme super bizarre là, de faire ouais, ça. C'est comme, ouais, mais dans le fond, il y a plein de trucs qui sont nocifs pour plein d'autres choses. Puis là, c'est comme considéré comme essentiel. Ouais. Je, moi, ouais. Fait que je vois pas, je pense pas qu'il y a tant d'ordre, là. Ouais. Ben, il y en a t'sais, pas, en fait. Comme, je vois pas... C'est ça, je sais pas. C'est comme des trucs aussi d'expertise. Là. On associe beaucoup les trucs utiles à comme l'expertise, l'étude derrière les choses. Ou... ouais, puis je veux dire, à continuer de faire fonctionner le système économique dans lequel qu'on vit. Puis ouais, l'art, il contribue. En fait, l'art, il contribue, là, mm-hmm, vraiment. Mais. Je sais pas, il n'y a pas de... Mais mettons... mettons, si toi, faire de la musique, c'était juste... J'aime ça, mm-hmm, mais que, mettons, personne n'entendait ta musique. Dans ouais, le sens que ça serait uniquement pour toi que tu le fais. Ouais. Puis ça serait-tu assez? Ou tu dirais, il me semble qu'il manque ben, un sens à tout ça. Là. Le truc, c'est qu'il faudrait que je fasse quelque chose d'autre à côté. Ouais. Puis je sais pas qu'est-ce que je ferais d'autre. Mm-hmm. Comme... c'est ça l'affaire, mais c'est que là c'est le fun parce que j'aime le faire pour moi. Ouais. Genre ça me donne beaucoup d'énergie, de plein de choses un peu que j'ai de la difficulté à nommer. Mm-hmm. Puis en même temps, ben, je peux en vivre, puis je peux le partager avec des gens. C'est comme la meilleure chose au monde. Mm-hmm. Hein, ouais. Ouais, c'est ouais, la meilleure chose. Comme tu sais, c'est ça que je trouve un peu plate, qu'il n'y ait pas de spectacle, c'est que là, tu peux moins partager directement. Puis je suis pas une grande fan de nécessairement comme... te faire applaudir et aduler. Hein? Ben non. Mais ce que j'aime là-dedans, c'est que on partage de quoi? Ouais. Tu sais, c'est ouais, cette énergie-là. Mm-hmm. Mais je suis pas non plus, quand j'arrête, je suis pas en manque de me faire applaudir. Là. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire? En tout cas, on se souvient plus. Mais que... tu sais, je t'entendais dire dans une autre entrevue que, tu sais, mettons, la chanson J'aurais les cheveux longs, là, tu sais, que ça a eu vraiment, mettons, un effet concret sur du monde qui ont dit, hey, j'ai réécrit à ma sœur, là, tu sais. Ouais. Ça faisait 2 ans qu'on s'était parlé. C'est quand même crissement concret, là. Genre, ta, mm-hmm, ta chanson, ta création, la chose qui n'existait pas, mettons, avant que, poup, genre, tu t'assois au piano, puis qu'elle arrive, puis que tu l'enregistres, puis que le monde l'entende. Il y a du monde qui se sont reconnectés, là. C'est quand même fort. ouais, mais c'est beau, ça. Ben oui, c'est beau. Mais, tu sais, c'est beau, des trucs qui ramènent les gens ensemble, des trucs fédérateurs et tout, mais en même temps, je trouve ça beau aussi, quelque chose qui sert à rien, là. Ouais. Donc, moi, il y a une de mes tunes préférées qui ça s'appelle « Viens danser le hockey, là ». OK.
Puis c'est la toune, c'est juste tout le temps la même chose. C'est comme... C'est... OK, là. OK, là. Puis là, en arrière, il y a quelqu'un qui crie... Voyons, tabarnak! Puis genre... C'est quoi, cette toune? Quand tu trouvé ça? Ça me fait du bien quand je l'écoute, la toune, depuis longtemps. Puis c'est une toune... Bon, je peux pas... Il y a pas grand monde que j'ai rencontré avec qui je peux partager cette... Cette passion pour cette chanson. Sauf que quand je la mets, les gens, en général, ils l'aiment, puis comme ils veulent danser avec moi. OK. Mais la toune, elle dit rien, là, concrètement. Ouais, ouais. Là. Non, c'est mais ça qui est beau avec la musique. Moi, ça me fait du bien, ça dit rien. C'est des notes, une énergie, un genre ouais. de... Puis... C'est un langage universel. C'est un langage universel. Peu importe où vous venez, peu importe votre langue, vous pouvez ressentir la musique. Vous pouvez ressentir la musique à l'intérieur de votre cœur. Mais mettons qu'on on transitionne vers ton album, mettons plus concrètement. Là. Mettons cette chanson-là, la première fois que je l'ai entendue, c'était live au Grand Théâtre. Oh! Ouais. T'étais là? J'étais là. Mm. Puis t'as fait l'album d'avant au complet avec l'orchestre. Mm-hmm. Puis en rappel, t'as fait cette tune-là. Puis on dirait que j'étais déjà fan, mais quand j'ai entendu ça, j'ai fait, il me semble que il y a un switch. Il me semble que là, j'ai accès, puis je suis sûr que tes chansons ont toujours été personnelles, mettons. Mm-hmm. Sauf que c'était peut-être moins comment t'appelles ça? Explicite. Mm-hmm. Puis quand j'ai entendu ça, j'ai fait, OK, il me semble que là, j'ai accès à Chloé, là, tu sais. Penses-tu que j'aurais dû mettre le logo explicite sur la pochette. Explicite, juste un E à côté de ta track. Là, oui, tu sais. Genre l'avertissement. J'ai vu un mime tellement bon, genre, c'était comme la chose la plus inutile, en tout cas, c'était mieux, c'était plus drôle que ça. C'était comme le logo explicite sur les pochettes des albums de Cannibal Corpse. Je sais pas si tu as déjà vu les pochettes d'albums de Cannibal Corpse, c'est un groupe de death metal. Là. Puis tu sais, les pochettes, c'est juste genre des squelettes avec genre des... T'sais, genre des entrailles puis du sang partout puis bon. T'as genre le petit logo explicite, c'est comme genre je m'en doutais. j'adore. Mais bref, ça se peut-tu que le dernier album y ait une approche plus raw, mettons? Ben c'est autre chose, c'est comme ben une approche, je sais pas, t'sais, j'ai pas plus réfléchi. OK. Nécessairement, j'ai pas, c'est ça, c'est venu naturellement. Ouais. Puis je pense que c'est ça qui est le fun aussi, dans le sens que, tu sais, mon premier album, c'est des tunes que j'ai écrites, c'est dans les premières tunes que j'ai écrites, quand mm-hmm. j'étais comme, tu sais, j'avais 19, 20, quand t'étais 21. Dans le couloir au secondaire, là. Pas encore. Pas encore. Peut-être après, ça, c'était, faut pas tomber là-dessus. Mais, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est juste, ça, les choses évoluent. Ouais. Comme mon deuxième album est différent que le premier, ouais. Le troisième est différent, là, l'autre sera différent. Puis ce qui est drôle aussi, c'est qu'il y a des gens qui veulent leur préféré, ça va toujours être le premier. Puis il y a des gens que leur préféré, ça va toujours être des gens qui vont arriver au troisième, c'est ça. Toi, c'est quel ton préféré? T'en as-tu un? J'ai pas de préféré, mais j'aime beaucoup le dernier. Mais... Est-ce que, tu sais, on dit souvent que tu sais, t'as toute ta vie pour écrire ton premier album, tu sais. En fait, de ta naissance jusqu'à ton premier album pour l'écrire, dans le fond. Là. Ouais. Puis qu'après. C'est romantique. Ouais, mais tu sais, mais dans le fond, tu sais, c'est t'as pas de deadline, là. C'est toi qui décides d'écrire des tunes un jour. Mm-hmm. Puis quand t'arrives après ça, tu sais, tu sors ton premier album avec un grand succès. Puis là, après ça. T'as des attentes, puis t'as à fournir un deuxième, puis éventuellement un troisième. Quelle est la... comment est-ce que t'as vécu, en fait, le processus des trois? Est-ce que c'est un processus qui a été semblable pour toi? D'arriver et faire, OK, je rentre dans un mode créatif pendant X mois, puis j'arrive avec un album, ou c'était différent? Parce que le dernier, by the way, j'ai adoré réellement. Puis il semble tellement inspiré. Inspiré, c'est le mot qui me vient le plus. Là. Il y a tellement d'affaires que tu te dis, crime, c'est quasiment pas possible que ça ait été fait en si peu de temps. Là, mettons, mm-hmm. Je sais pas si ça fait du sens. Qu'est-ce que je dis? Ouais. Ben, je pense que le troisième m'a pris toute ma vie à écrire. Aussi, ouais. C'est ça, l'affaire. C'est que c'est tout ce que tu
je sais pas, c'est les trucs que j'apprends en vivant, des trucs que j'accumule. En même temps, il y a aussi, je pense, dans l'écriture, le sentiment d'urgence, tu sais, qui est important, là, comme... Puis que j'avais vraiment... Mais je l'avais aussi avant le deuxième. Mais... Sentiment d'urgence de... Dans le sens, tu as quelque chose que tu veux mettre... Moi, ouais, j'avais besoin... D'extérioriser quelque chose. Là. J'avais vraiment besoin de... Tu sais, la musique, ça a toujours été arrivé dans ma vie comme une amie. Mm-hmm. Dans le sens que, tu sais, comme ça m'a vraiment, vraiment aidé à parler, mm-hmm. À nommer des trucs que j'avais de la difficulté... Que autrement, en fait, c'est difficile à nommer parce que là, bon, tu parles à quelqu'un. Tu veux pas tout dire à quelqu'un... Mm-hmm. Ça va pas... T'sais, faire la musique, c'est comme un peu parler à soi-même puis parler à tout le monde. T'sais, les « je », c'est les « nous », c'est... puis les « tu », c'est des « je », puis des... T'sais, tout se confond. C'est tout. T'sais. Même une toune qui dit « je », c'est pas... T'sais, c'est pas juste de soi qu'on parle. T'sais. Puis c'est ce que je trouve... bien, en fait, là-dedans. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Est-ce que, oui. Est-ce que, non, tu, parles de, est-ce que tu parles de... Quand tu dis faire de la musique, puis tu t'adresses vraiment beaucoup les paroles, est-ce que c'est plus l'écriture ou faire de la musique? Pour moi, les deux sont la même chose. Là. Pour toi, les deux sont la même chose? Ouais. Ben, comme dans le sens que j'écris tout en même temps. OK. Fait que, tu sais, l'un a de l'impact sur l'autre. Ouais. Mm-hmm. Tu sais, ce que c'est ça, je pense que j'ai une façon très intuitive d'écrire. Je suis pas comme une musicienne qui a appris la musique. Je comprends pas tant. Je comprends genre de l'intérieur puis à l'oreille les trucs qui se passent, mm-hmm. mais tu sais, je le c'est pas comme intellectualisé. Ouais, tant que ouais. ça. C'est pas comme j'ai pas un cerveau qui est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce que quand la musique est arrivée dans mais premièrement ça me fascine énormément. Comment est-ce que la musique est arrivée à toi? Ben quand j'étais enfant mes parents moi mes frères on a suivi des cours de piano. Puis j'aimais ça mais comme j'avais de la difficulté quand même à genre, j'étais quand même très ouais. ça. Puis à partir du moment en fait où j'ai arrêté d'essayer d'apprendre des affaires, des pièces là, ouais. mettons, puis qu'il y a eu un temps, puis que la musique est revenue dans ma vie comme un peu comme quelque chose pour me soulager. Un genre de moyen d'expression. Ouais. Ben c'est là que j'ai commencé à apprendre en fait. D'après moi, là. C'est mm-hmm. sûr que le bagage au début, bon, est important puis en moi, mais comme c'est là que j'ai vraiment commencé à apprendre, c'est là que j'ai commencé à jouer du piano d'abord, comme que je me suis surpassée plus au jeu, ouais, ouais. puis à la voix aussi, là, j'ai appris à chanter en chantant, ouais, mm-hmm. en faisant mes tunes, en composant mes tunes. Fait que ma voix aussi a évolué au travers des trois albums, tu sais, puis mon jeu, puis mon instinct musical. Ouais. Puis le fait que, mettons, il y a des trucs que j'ai envie de me déjouer, là, tu sais, de ce que je connais. Fait que sur le troisième, je pense qu'il y a beaucoup de petits, musicalement, des petits trucs de « je me déjoue », mais qui est là sur les trois. Mm-hmm. Comme une volonté de... De sortir de ta zone ouais, confortable. Puis d'avoir... C'est juste aussi avoir du fun. Mais, ça me fascine, ouais. ça. Tu sais, mettons... Moi, j'ai fait un bac en musique puis une okay. demi-maîtrise en musique, mettons. Là. Ah. Puis quelqu'un sans formation, tu sais, mettons, puis juste par instinct puis par essai-erreur arrive à créer ce que tu crées, ça me fascine. Mm. Vraiment. Parce que, tu sais, en plus, ta musique, tu sais, une complexité quand même. Là. Je veux dire, c'est pas... c'est pas de la c'est pas une tune à trois accords c'est un peu prog hein, par bout c'est un peu ouais. c'est full orchestral tu sais puis je pense même si le dernier c'est les arrangements c'est beaucoup toi ça me fascine vraiment que t'accomplisses ça sans avoir appris formellement comment ça marche la musique t'sais. Est-ce que ces idées-là, mettons, te viennent vraiment par elles-mêmes?
Ouais, ouais. Puis rapidement, c'est quoi le processus? Parce que moi aussi, ça me fascine, mais ça m'intrigue aussi beaucoup, tu sais, parce que à l'écoute, comme tu dis, c'est complexe. Là. Mm-hmm. T'sais, le troisième album, il est ultra complexe. Puis en fait, les deux premiers aussi. Puis comment ça devient, mettons? Est-ce que tu entends ça? Est-ce que c'est... Ben, je sais pas. C'est ça. C'est dur à c'est dur à dire, mais je suis persuadé que c'est extrêmement difficile. Mais tu sais, quand je dis instinct, pour moi, c'est le meilleur mot. Ouais. Puis c'est l'abandon aussi. Ouais. Puis... pas de contrôle, en fait. Oublier le contrôle. Ouais, c'est comme un peu... je sais pas. C'est les émotions aussi qui guident ouais. le truc. T'sais. Moi, il y a une tune sur l'album que je me suis dit... Tu sais, mettons, toutes les tunes, je peux m'imaginer comment tu t'assois au piano, puis que tu passes quelque chose, puis ça devient des mélodies, puis là, il y a une tune qui se crée. Mm-hmm. Mais mettons, Mélamine, je me dis, je sais pas comment qu'elle a composé ça. Comment tu t'assois, puis tu composes Mélamine, J'en parlais justement à Pascal, ou le frère de Dom, j'étais avec ce midi, puis ça me faisait penser au film Plaque Smoll. Tu sais, du Plaque Smoll, puis je me disais, ça va tellement dans tous les sens ouais. qu'on dirait qu'on est dans une petite pièce de squash, puis je viens de garocher un Plaque Smoll au mur, puis là, c'est comme... Quelle image! Mais en même temps, mettons, je dirais que Où vas-tu quand tu dors, c'est plus complexe musicalement que Mélamine, là. Comme... Mais Plaque Smoll, merci. C'est bon. Mais c'est, je dis ça avec la plus haute estime du Plaque Smoll. J'adore Plaque Smoll, ça me fait plaisir. Ça me convient. Ça va, t'as même pas besoin de t'excuser. Là, m'explique bien, j'adore. Mais tu sais, mettons que pour le fun, on fait la chronologie de la création de Mélamine, mettons. OK. Ouais. Tu sais, mettons, parce que, tu sais, mettons, la toune, c'est pas mal un riff de bass, dans le fond. Ouais. Hein? Si vous écoutez en ce moment, posez sur pause, allez écouter, ouais. puis revenez après. Fait que, tu sais, mettons, j'aurais les cheveux longs, tu sais, j'aurais les cheveux longs, c'est... Tu sais, c'est des chords, tu sais, jouer ces accords-là, tu sais, exact. Tandis que ça, t'es-tu assis au piano, puis t'as fait une ligne de bass, ou c'est venu après? Mais c'est... l'affaire avec le troisième album aussi, c'est que je me suis acheté des synthétiseurs. OK. Pas des grosses affaires, là. Genre, j'ai commencé avec un Juno, mais comme la petite boîte, là, l'extension qui est okay. pluggée avec un contrôleur. C'était pas grand chose, ça. Puis un mini Moog, même chose, modèle D. Ouais. Puis là, dans le fond, toutes mes maquettes ont beaucoup, beaucoup de Juno. C'est beaucoup des sons de Juno, mais ça pour dire que Mélamine, ben. C'est drôle, là. Je pense que c'est comme... J'avais envie de faire quelque chose que j'avais jamais fait. Ouais. Puis... T'as-tu écouté du Kate Bush? Non. Non? Non, je sais que tous les Français sont tant comme... Ah, Kate Bush. Mais mais non, pas vrai, non? Les Anglo aussi, mais... Non, pas... Non. Mais j'ai écouté... genre, dernièrement, j'ai écouté parce que... Je suis comme... Voyons, là, tout le monde dit ça. Arrêtez de m'en parler! J'essaie de... Quand j'ai entendu Mélamine, j'ai fait. Ah ouais? Y a-tu Kate Bush là-dedans? Là. Ah, ben. C'est cool, c'est... on est comme des vous cousines. Êtes connectés. Ouais. Mais elle est nice, Kate Bush. Oui, je pense que oui. Mm-hmm. Très, très forte. Tu peux continuer. Mais ouais. Mais Mélamine, je sais pas, je pense que j'avais comme en même temps, un peu. Je trouvais ça quand même drôle de ouais. faire ça. Ouais. Mettons un riff, là. Ouais. Mm-hmm. Parce que j'avais jamais fait ça. Ouais. Là, je le faisais. C'est comme une toune, ben, qui peut sembler très premier degré aussi, parce que c'est facile à comprendre. Là. C'est comme, ben, je sais pas ce que t'en comprends, là, en même temps, je vais pas l'expliquer. Mais, tu sais, ça a l'air d'un diss un peu, là, de comme, mais c'est pas ça, là, c'est un peu envers moi-même, tu sais. OK. Puis, je sais pas, il y a comme, j'avais besoin d'un genre de thème comme ça, mais... dont j'avais envie de parler aussi parce que c'est quelque chose que, en faisant de la musique, puis dans mes propres noirceurs à moi, tu sais, comme j'avais expérimenté ça aussi, tu sais, de pas être bien comme en étant moi-même, tu sais, rechercher, tu sais, justement à l'école primaire, fait comme regarde comme quelqu'un, puis alors tellement comme, tu sais, bien, là, puis genre pas se poser, tu sais, pas trop se poser de questions, puis là, je suis comme, ah, oh, j'aimerais ça être elle, tu sais, ça a l'air trop doux, là, de vivre. Puis là, tu sais, puis comme,
Fait que là, je le faisais, puis je pense que sans ce genre de ce sujet-là, ce moteur-là, mettons, la musique, ce serait pas ça. T'sais. Fait que c'est comme un peu un bloc. Ouais. Puis la toune, j'ai écrit en une soirée, là, t'sais, très rapidement. Ouais. Puis, mettons, tu te fais une maquette chez vous avec tes synthétiseurs, mm-hmm. tes affaires. Fait que tu te fais comme une espèce d'embryon de ce que ça va être, là, mettons. Ouais, mais c'était pas mal ça. Okay. Dans le fond, ce qui est sur l'album, ce qui a été bonifié, c'est beaucoup les sons. OK, ouais. Puis un peu la fin, la structure, on l'a allongée. OK. Puis, tu sais, il y a comme des couches de trucs qu'on a ajoutés, là, comme une guitare, mettons, que j'avais pas faite, là, tu sais. Ouais, ouais. Mais, tu sais, même, on a gardé le genre de... Ouais, ouais. On l'a gardé de la maquette parce que... On était comme, oh, ça se refait pas. Là. Non, c'était ce moment-là. Ouais, ouais. C'était ça qui va être ça. Ouais. Ouais, fait que là, ça, on l'a gardé. Il y a quand même une couple de tunes comme ça qu'on a pris les maquettes. Sylvain, avec qui je travaille, qui a co-réalisé avec moi, puis qui a co-réalisé les deux autres albums aussi, ouais. Qui est vraiment mon très proche collaborateur. Genre, je l'aime vraiment beaucoup. Mm-hmm. Ben, lui, il a comme mis le clic, ou genre, en tout cas, structurer le truc pour qu'on puisse la refaire en bonifiant les sons, dans le fond, mm-hmm. les tones. Ouais, ouais. Puis, pour que ce soit tout de meilleure qualité. Là. Ouais. Fait que c'est ça, tout arrive en studio avec ta maquette, t'as fait écouter au gars, mettons, à ton Ben, mettons. Là. Mm. Puis les autres, ils ajoutent des petites affaires, puis c'est pas mal ça. Ben, ça dépend des tunes. Ouais. C'est ça. Ça dépend vraiment des tunes. Comme celle-là, il y avait celle-là, puis Où vas-tu quand tu dors, il y avait pas mal toutes les lignes, les okay. arrangements. Fait que. Ça me fascine, c'est fou. C'est pas mal, à part, mettons, la section rythmique, genre le drum. Parce que là, moi, j'étais comme, je travaillais avec des faux drummers, là, à un moment donné. Ouais, là, ouais. Pour Mélamine, j'ai composé avec un faux drum. Ouais. Puis là, je rajoutais des. Tu sais, il y a comme des moments qui sont un peu. Qui font comme. Ouais, ouais. C'est comme bossa, là. Ouais. Puis, tu sais, c'était à chier, là, sur la maquette. Mais l'idée est vraiment bonne. L'idée ouais. est bonne, mais les sons mais étaient à chier. C'est ridicule, tu sais, c'est vraiment ouais. drôle. Fait que. Ouais, fait que là, tu sais, le Pete Pettel, le drummer, il a tout bonifié ça. Tu sais, il a comme. Lui, c'est, il a beaucoup composé ses parts, en fait, finalement. Puis. À l'ombre des cyprès aussi. Tu sais, puis en même temps, c'était vraiment une collaboration vraiment le fun parce que j'avais comme des super bons musiciens à mes côtés. Je pouvais comme faire, ah, j'entends cette ligne-là, joue ça. Puis là, je le chante note par note. Puis là, il le rejoue, mais beaucoup mieux que ce que moi j'aurais fait, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est incroyable. C'est l'extension de ton esprit, là, tes idées, c'est ça. En fond. Puis en même temps, ben le bassiste, Étienne Dupré... c'est sur Umami, c'est lui qui a composé cette ligne-là de bass. Mm-hmm. Parce que moi, je suis pas, je pense pas beaucoup à... À la ligne de bass. Ligne de bass électrique, mettons. Ouais. Je suis plus harmonie, mélodie, puis... Ouais. Ça. Puis François Zaidan, le guitariste, beaucoup plus sur les tones, puis... Fait que, tu sais, c'était très complémentaire comme travail, puis il y a d'autres tunes qu'on a fait... T'sais, la Maison Jaune, ça ressemble beaucoup à la maquette aussi, mais J'aurai les cheveux longs, on l'a joué ensemble en studio, mais je pense qu'après, on a refait des trucs. OK. Vous l'avez tapé live, genre... Ben, le piano, on l'a tapé, mettons, à 3. OK. Ben, moi, je jouais le piano, il mm-hmm. y en a un qui jouait la guitare baryton, il y en a un autre qui jouait de la guitare. Mm-hmm. Pis, ou du synth, en tout cas, je sais pas trop. Puis... on a gardé juste le piano de ça, puis on a refait les autres instruments après. Mais bref, je sais pas à quel point c'est intéressant. Comment dans ce processus-là, les paroles te viennent? Moi, c'est sur ça que j'accroche. Parce que c'est y a tellement d'affaires dans tes textes. C'est borderline du symbolisme là, par bout. Mm-hmm. Puis... Comment ça devient? Ça t'apparaît-tu tout seul ou il y a un processus d'écriture que tu fais? Puis de... Non, c'est ça. Ça m'apparaît tout seul. C'est débile, ouais. Ça. Mais comme moi, c'est sur ça que je reviens pas. T'sais. Mais c'est ça. Mais tu sais, je parle souvent de l'été. C'est un état là, ouais. Que, mettons, tu essaies de te mettre dans cet état-là où comme, tout est comme ensemble. Mais t'es... I guess que tu dois être au courant que c'est extraordinaire, là. Ben, non, mais comme j'imagine que cet état-là, tu sais... Ben, moi, je me trouve chanceuse, ouais, mettons, ben... de pas
tu sais, je me verrais mal comme... Puis peut-être qu'un jour, ça va être ça en même temps. Mais, tu sais, travailler sur un texte, là, puis genre comme... Mais parce qu'on dirait, comme image on dirait que c'est travailler. Parce que c'est, ben c'est ça, Chris, on dirait... Mais non. On dirait la grande poésie, là, tu sais. Ouais, mais en même temps, je pense que je dis ça, puis, tu sais, mettons Remora, là, si j'écoute la première maquette que j'ai faite, c'était pas exactement ça. Ouais. Puis mais ça s'en approchait quand même. Ouais. Là, ouais. Mais il y a des trucs, tu sais, que j'ai comme laissé mijoter. Donc, cette tune-là, c'est comme celle qui m'a pris le plus de temps à écrire, mettons. OK. Elle s'écrit dans le fond, dans ta tête, plutôt que sur papier, en disant que je sors mon dictionnaire, puis mon dictionnaire de synonymes. Ouais, tu sais. Je pense pas que je fasse ça. Non, là, ouais, c'est ça. Non. Mais j'en ai un, là. Tout le monde en a un. J'en avais acheté un. Mais des fois, je m'en sers, là, mais comme plus pour comme écrire, pas des tunes. Là. OK. Ouais. Tu parlais tantôt. Mais juste là-dessus, excuse, il y a. Je sais pas si tu as lu la bio de Fiori. Je pensais que tu allais dire la Bible. Je sais pas si tu as lu le Nouveau Testament. OK, ça s'en va là. Mais tu sais, il explique dans Fiori comment il écrivait ses tunes, l'harmonium, okay. Mettons. Là. Puis tu sais, c'est vraiment. Tu sais, comme toi, il n'y a jamais eu de genre. Je sors ma feuille, là, tu sais, puis j'écris mon texte. C'est comme mettons. Je trouve ma run d'accord, je la fais en loop pendant une heure. Puis il y a des phrases qui pop, toutes faites, toutes construites, tu sais. Puis juste de rentrer dans une genre de transe méditative, là, ouais. Tu sais, de loop, puis là, ça sort, tu sais. C'est cool. C'est comme ça que ça se passe dans ton cas? Ben, peut-être que ça se rapproche un peu plus de ça, mettons, que la personne qui l'écrit à côté. Là. Ouais. Mais. Ouais, je sais pas. T'sais, c'est comme un peu difficile de dire exactement. C'est sûr. C'est comme, je pense, c'est un état. Puis c'est aussi. Il y a comme un moment aussi dans ma vie où j'étais un peu. Genre, je me sentais coupable quand j'étais pas en train de faire ça. OK. Parce que j'avais tout le temps l'impression, j'étais comme, peut-être que je suis passée à côté. Ouais, ouais. Puis. Genre, j'ai quelque chose qu'il y a peu de monde qui ont, puis j'étais en train de passer à côté. Ah, non. Okay. Genre, peut-être qu'il y avait genre, un moment. Genre, dans le sens que, mettons. Peut-être que hier, si j'avais fait de la musique, j'aurais écrit comme le truc. Je comprends. Il y a une tune qui serait à descendre. Ouais, je sais pas. C'est vraiment. Ouais, je sais pas. Faut que tu sois poreuse aux interventions du film, ouais, 24 heures sur 24. C'est niaiseux, là. C'est con, là. Fait que. Puis là, on est. J'ai comme catché que dans le fond, c'est des trucs que t'emmagasines, tu sais, c'est des impressions aussi, puis tout ça se peaufine avec le temps, là. Il y a des trucs que j'aurais jamais été capable de faire cet album-là il y a deux, tu sais, il y a trois, quatre ans, là, je pense, là, ça aurait été un autre album, puis, oui, c'est jamais, il y a rien de perdu, puis c'est le fait que, en fait, que j'ai conservé tout ça en moi, je pense, qui fait que je l'ai libéré, que j'ai pu le libérer de cette façon-là. Au final, mais tous les moments où tu vis des choses, où tu lis des livres, où tu whatever qu'est-ce que tu fais, c'est ça qui fait qu'après ça tu t'assois puis il y a une bonne tune qui arrive là. Ouais. Si tu faisais juste, je sais pas. Si j'avais faire des gammes à la longueur de journée, ça ferait pas des tunes super. Je suis pas quelqu'un qui a comme une, tu sais, merde, comment tu dis ça, tu sais, qui une routine fixe, là, mettons, qui est comme... C'est pas je me lève à 9h, je m'en vais au studio, je reviens à 5h. J'ai de la misère beaucoup avec ça. Tu sais, même, je le vois juste dans le sport, mettons, je vais comme faire la même chose pendant 3-4 mois. Puis là, à un moment donné, je serai juste plus capable, je le ferai plus jamais. Ou bien, je vais le faire comme... Bref. C'est la dernière fois que je joue au squash. Ouais, je joue au squash. On parlait des maquettes, là, puis... Tantôt, j'écoutais ton passage à Radio-Can avec Rebecca McKinnon. Ah, OK. Pourquoi vas-y. Ben, OK, ouais, c'était-tu correct? C'était très correct. OK. Puis, il y a une toune que t'as envoyée à maquette. Mais non! Hein? Ah oui, c'est vrai. Ben oui, t'en souviens-tu? Non? Ben ouais, c'est-tu La Fonte? La Fonte. Ouais. Puis c'est pratiquement la même affaire. Ouais. Sauf, il y a genre un accord qui est différent, puis ça change tout. Fuck, c'est plus beau dans ma C'est plus beau dans l'album.
Ah, oh, fou! Merci! Non, mais parce que des fois, là, il y a ça aussi, pour cet album-là, j'ai comme beaucoup... Je suis revenue beaucoup à la maquette pendant qu'on... Puis même avec Sylvain, on réécoutait souvent la maquette quand on était rendu plus loin dans le processus parce que... Il y avait une magie qui était là. Hein? Ouais, mais aussi, des fois, sans me rendre compte, je change des accords ou comme... Il y a des trucs que je fais plus. Puis là... Je réécoute la maquette, puis je fais comme « Fuck, c'est plus beau dans la maquette! » Je pense, j'ai oublié ça. Mais tu sais, mettons, mettons ça, là, je trouve, mettons, pour expliquer qu'est-ce que l'harmonie à quelqu'un qui connaît rien à la musique, là, pour moi, ça serait genre le meilleur exemple. Parce que je pense que c'est juste qu'au lieu, mettons, je sais pas dans quelle tonalité, mais tu sais, mettons, au lieu d'être un do majeur, au lieu d'être un la mineur, c'est un do majeur, c'est juste un accord majeur, lui mineur. Tout, là. Mais au moment que ça arrive, c'est comme, puis avec le texte, l'émotion est complètement différente. Puis la toune, au lieu qu'elle soit dark, il y a comme de l'espoir. Il y a comme des instants de lumière. Genre. Exact. Ouais. Exact. Puis c'est juste comme... C'est dans le fond, là, tu sais, c'est changer un la pour un sol. Là, c'est changer une note. Là. Ouais. Mais puis c'est juste tout, ça, c'est comme... dans ta toune, ça, c'est la différence entre, justement, tu sais, une toune juste une toune triste ou une toune avec de l'espoir. Mais c'est drôle, j'ai envoyé la fonte parce que ça se ressemble quand même. Mais ouais, j'avais fait une autre version de la fonte, justement, avec des gros synthés, là. Oh shit! Puis là, j'avais fait écouter, puis là, j'étais comme, on préfère l'autre. Puis je fais, ouais, peut-être pour l'équilibre. Mais tu l'as tué, été intéressant de la faire écouter à Rebecca, cette fois-là. Mais j'ai pas pensé. Puis l'album n'était pas sorti en plus, c'est ça, ouais, je c'est pense, qu'en cette entrevue-là. Exact. Pour cet album-là, il y a vraiment un esthétisme insane. Là. Mettons qu'on parle des clips ou juste du artwork comme tel. Est-ce que tu avais des idées pour tes spectacles? Est-ce que tu avais des idées de mise en scène aussi théâtrale? Ben, j'ai beaucoup fait ça dans le passé. Ouais. Puis, c'est comme devenu un peu... Je sais pas, j'ai vu beaucoup de gens faire ça. Puis, comme on est... Là, je me suis un peu détachée de ça. Puis, j'avais plus envie que ce soit trop théâtral. Ou, c'est pas théâtral, mais tu sais, j'étais bien... je veux faire un show conceptuel de ça. Tu sais, j'avais fait un spectacle, c'est le cabinet du docteur Calgary. Puis là, tu sais, il y avait comme une grosse scéno. J'ai fait aussi la noce la messe transfigurée dans une église. Ça, c'était le fun, par exemple. C'était comme, plutôt que de célébrer Dieu, on célébrait la musique, puis tu sais, ça parlait de quel point on la maltraite. Puis c'était bien. Mais ça, je sais pas. Mais j'ai envie. Ma réponse est vraiment pas claire, mais oui. Je veux encore faire ça. Je travaille sur un projet en ce moment pro-COVID, mais tu sais, qui va un spectacle qui va avoir lieu peu importe si COVID non. Ouais, fait que un c'est spectacle comme, COVID friendly. C'est genre COVID, mais comme on se sert du COVID, tu sais, c'est pas comme un spectacle qui serait amoindri à cause de ça. Comme ça la majorité va être fait sur mesure, ouais, pour ça. Puis c'est aussi un spectacle que j'aimerais faire avec du public, mettons, si tout redevient normal plus tard. Ouais. Est-ce que c'est ça que tu vas faire au Palais Montcalm le 28 novembre? Non, c'est pas ça. Non, ça, c'est un show de Club Elgar, qui est le show d'État. Ça, c'est comme le premier show qu'on va faire avec les musiciens. Là, on n'a pas encore eu la chance. C'est un peu stressant quand même, parce que habituellement, tu sais, tu fais la pré-pro, tu fais les répètes, puis... Puis le show, il se peaufine. T'en fais comme 20, là. Puis à un moment donné, ça a grandi. Puis, tu sais, rendu genre, je me souviens, l'autre tournée, là, rendu à comme 120, là. Ou, je sais pas, 80, là. Là, on était comme. Ouais. Ça se passait, je pense. C'est clair. Fait que là, on peut pas le faire comme tout ça. Ouais, t'arrives, puis là, c'est la première fois que tu joues ces tunes-là sur scène. Puis là, ça va être comme filmé puis retransmis. Ouais. Fait que je suis comme pas tant fan de ça. Ouais. À part si c'est nous, comme l'autre projet que je suis. Ouais, c'est ça. Je préfère, mais dont je peux pas parler tout de suite. Mais ouais. Achetez-vous bien. En tout cas, allez sur mon site web. Mais bref, ouais, c'est ça. Fait que, ouais. Fait que là, les tunes, à part les avoir jouées en studio, les avoir enregistrées,
Là, on est en pré-prod, en là, fait. Là, vous montez ce show-là. C'est quand même un spectacle qui est un très gros défi à monter musicalement. Ouais. Mais puis on est 5 à le faire sur scène. On a fait beaucoup de répètes. Là, bientôt, on s'en va en pré-prod en salle. Donc, ça va être autre chose. Puis après, on fait le spectacle. Fait que, mais j'ai vraiment hâte qu'on puisse juste partir en tournée. Puis, tu sais, le faire vivre sur scène, c'est complètement autre chose, là. Hey, comment t'entrevois ça? Est-ce que t'es optimiste par rapport à la situation du monde actuel? Ouais. Ouais? Je sais pas. On va être vacciné dans 2 semaines, puis on va faire partir en tournée. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait presque un vaccin. Ouais. Faut toujours faire confiance à quelqu'un. Efficace à 90%. Je le connais pas vraiment, mais quelqu'un est toujours, il marchait, là. Puis... C'est sûr qu'ils sont toujours fiables, quelqu'un. Quelqu'un, il y avait une montre, fait que je connais ça, le temps, au moins. Au moins, il n'est pas complètement out. Out de l'idée du temps. C'est même. C'est ça, tu sais, il comprend des affaires. T'es une personne drôle, de toute évidence. On te parle, tu nous fais rire depuis tout à l'heure. Puis tu disais que t'es, à l'école, t'étais quelqu'un qui faisait rire les gens. Ouais. Au primaire. Moi, au secondaire, j'étais plus down. Puis, t'as quand même ce personnage-là aussi, un peu comique, ne serait-ce que de remercier Mesmer, par exemple, en gagnant un prix. T'sais, c'est juste quelque chose qui est out there, qui est drôle. Est-ce que... I guess que t'es juste toi, là, tu sais, puis dans les textes de ton dernier album, il y a un peu de comédie. Est-ce que je me trompe? Il y a un peu d'humour malgré la noirceur des thématiques. Oui. Juste dans les images, certaines images sont juste carrément drôles, tu sais. Comme quoi, hein, mettons? Moi non plus, je m'en souviens plus. Je me souviens juste m'être passé le commentaire parce que ça m'est arrivé plusieurs fois dans l'album de faire comme quelle image drôle. Ben, je pense que t'sais. Oui, comme le truc est un peu omniprésent. Dans, ouais. Tu sais, même, je fais des jokes musicales, là. Ouais, c'est ça, je te mentionnais ça, là. C'est ça. Tu sais, où vas-tu quand tu dors? Ça me faisait rire, là, parce que, genre, ouais. je modulais tout le temps, là. En le faisant, j'étais comme « Ah, ah, ah! » Parce que, tu sais, la toune, elle module beaucoup, puis c'est comme là, un peu de pousser au fond l'idée de, tu sais, les tounes pop qui donner de l'importance à la... quand il n'y a plus d'idées, là, puis que tu sais plus quoi faire comme pour comme amener, faire lever la toune, encore ben, plus, ouais. Ça fait moduler. Puis là, c'est comme... Là, ça donne tout le monde l'impression qu'ils sont en train de s'envoler. Fait que là, moi, je le fais comme... ça module, mettons, 6 fois dans la suite. Puis à la fin, c'est comme... Ça module en haut, puis ça module en bas, puis ça module de 2, puis ça... Tu sais, puis là, c'est comme... Tu comprends plus rien. Fait que ça me faisait rire. Mais la mine, ça me faisait rire aussi quand même. Même si ça parle d'un... Tu sais... Ça veut pas dire que s'il y a des jokes dans la musique, que la toune n'est pas sérieuse. Non, c'est ça, exact. Exact. Ouais. Mais c'est comme, c'est ça. C'est, ben, j'ai eu un flash d'une image que je me rappelle. Elle m'a dit, crème, ça, ça me fait rire. Puis c'était. Là, je vais paraphraser parce que je me rappelle plus exactement, mais c'était. Elle mange ou elle bouffe des abeilles parce qu'elle aime trop le miel. Il y a quelque chose là-dedans qui est comme absurde, puis qui est comme. À la fois humoristique, mais dramatique aussi. Fait qu'il y a comme cette espèce de dualité-là dans l'album aussi. Au complet. Puis au réalisme, elle a l'air comme super. Ben, tu sais, ultimement, c'est un peu triste, mais il y a quand même du sourire dedans parce que c'est comme l'idée de la rumeur, en fait. C'est une toune qui parle de la rumeur. Puis à quel point tout le monde exagère, là, ce qu'en. C'est le bouche à oreille. Ouais, exact. Fait que c'est comme pousser ça à l'extrême. Il paraît que genre, elle mange 10 pots de crème glacée par soir, en train de. Mais il y a de ça, c'est vrai qu'il y a de ça. Ouais. C'est cool. En tout cas, ça ajoute une autre couche, on dirait. Ouais, mais moi, j'aime. Je pense. Je trouve que l'humour, c'est important. J'ai beaucoup de difficultés avec les gens qui ont pas d'humour, là. Des fois, je comprends pas ce qui se passe, là. Ouais. Ça fuck le cerveau, là. Tu fais une joke, puis la personne fait comme... Elle continue comme si de rien n'était. Là, c'est comme... Genre, hey, je viens de dire une grossièreté, là. Est-ce qu'on peut l'adresser, s'il vous plaît? C'est ça qui se passe aussi quand...
quand tu remercies Mesmer puis ça forge du monde. Exactement. Ouais. Qui n'ont pas du ben, mot. C'est hey, ça. Puis là, c'est plate parce que là, t'es obligé. Oui, mais pourquoi tu aurais pourquoi Mesmer? Là, c'est comme plus t'en parles, moins c'est le fun. Ouais, ouais. Là, tu comprends? C'est comme tu l'as pas catché, c'est ton problème. Là. Tu veux pas comme t'expliquer en quoi ça serait drôle si le niveau et tout. Là, c'est difficile, ça. Ouais. Fait que les gens qui ont pas d'humour sont moins fans de Claude Pelgag en général. Je pense que, en tout cas, ceux qui ont plus d'humour vont plus. Vont saisir quelque chose de plus. Ouais. Mais je pense que tu peux aimer ça même si t'as pas tant. Mm. Si tu ris pas tant que ça. Tu sais. C'est juste. Mais quand, quand tu vas voir un show de Claude Pelgag, c'est que l'humour fait partie de la proposition. Là. Ben ouais, quand même. Ben moi j'aime ça avoir du plaisir. c'est dur à des fois parce que tu sais j'ai souvent l'impression aussi quand on se fait de la musique c'est comme si tu sais le monde casse tellement les choses que t'es pas humoriste là tu fais de la musique là tu fais une blague ils vont comme mais était-elle est-elle vraiment reptilienne voir de la musique moi mais oui wow là c'est quoi qui se passe là une joke là tu sais à un moment donné j'avais comme fait une joke en France avec quelqu'un qui interviewait puis là qui on parlait tu sais il parlait du fait que il avait entendu dire que j'étais reptilienne puis là tu sais j'étais comme mais je veux pas trop en parler puis comme j'étais comme non puis je sais pas tu sais puis c'était juste un extrait puis là j'avais comme posté ça puis là tu sais c'est malade tu sais il y a des gens qui trouvent ça drôle là mais tu sais il y a du monde que c'est comme voilà on a... quoi voilà reptilienne puis là il y avait du monde qui écrivait des commentaires sur un truc de ma rétine et j'ai une maladie de Dieu là ma rétine est trop grosse. Bref. Ça fait bizarre sur Internet, hein? Ah, ben, ouais. Tu sais, si on peut en parler longtemps, là, je veux dire, les conspirationnistes, ça, c'est un fléau. Ben, c'est ça. Fait que moi, je me dis, comme, tu sais, cette année-là, Mesmer, là, c'est comme, il est tombé bizarre, elle. Ouais. OK, mais regarde ailleurs, regarde là, ça aussi, ça, c'est beaucoup plus bizarre. Attends, là. Si vous voyez de mon côté de la caméra en ce moment, sérieux? C'est encore plus bizarre tout que ce que des vous autres voyez. Des hommes en complexe applaudissent et qui se donnent des trophées, c'est aussi bizarre. Ça, c'est tellement bizarre. C'est aussi bizarre. Je comprends pas. J'ai beaucoup de difficultés avec cette affaire-là, tu sais, des trophées puis tout. En même temps, ça fait vraiment plaisir là, tu sais, d'avoir de la reconnaissance. Ouais. C'est juste que c'est bizarre. Ben, c'est un concept, la compétition de base, c'est quelque chose qui est comme dans la société, c'est omniprésent. Là, on veut tout le temps un gagnant, là, tu sais. On veut toujours, on peut jamais faire, mettons, hey, check, tous ces joueurs de basket-là sont tous bons. Mm-hmm. Ils ont tous été excellents. Il n'y a peut-être pas un meilleur de tous les temps, on s'en fout, ça ne dérange pas. Là, comme... Ça prend un meilleur ou je sais pas. Ouais. C'est un drôle de truc. Mais ce qui est fucked up aussi, c'est en fait de voir à quel point il y a beaucoup de monde qui croit à ça. Ouais. T'sais. Donc, je sais pas. Moi, je suis contente de... Tu sais, tu donnes un cadeau à des gens, c'est bien, c'est le fun, les voir heureux, là. Je trouve ça beau, ça, mais... Ouais. Il y a la culture de la compétition dans... Tu sais, qui est omniprésente dans la musique, là, ne serait-ce qu'avec la voix, mettons, là, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, il y avait un clip sur YouTube, c'était un montage, c'était Bob Dylan à la voix, tu sais. Ouais. Puis là, c'est Bob Dylan qui se pointe, puis là, il chante, tu sais. Puis là, tu vois juste des reaction shots des juges qui font genre... What? Puis là, personne comprend la proposition. Ouais. Tout le monde est comme, qu'est-ce qui se passe là, tu sais? Ben, mettons, la voix, tu sais, s'il y a une affaire qu'ils font au moins, c'est que c'est pas juste, mettons, un seul type de voix, tu sais, mettons. T'as comme toutes sortes de différents styles de chanteurs. Il y en a qui ont des voix vraiment inhabituelles, puis qui sont là. Mais ça reste pas un concours de création, tu sais. Je veux dire, Bob Dylan... Non, mais ça reste du divertissement. Ça reste du divertissement, puis ça reste... C'est pas là aussi que, mettons... C'est quand même une interprétation, dans le sens que c'est... Tu vas pas, là, mesurer comment quelqu'un... je veux dire, Bob Dylan, c'est ses textes pis ses tunes, là, tu sais. Mm-hmm. Oui. Moi, je trouve que c'est un grand interprète, là. Moi, je suis capable dessus, mais tu sais... Oui. Sauf que... De ses propres tunes. De ses propres tunes, c'est ça, tu sais. C'est lui qui donne du sens à... Tu sais, t'es la meilleure personne pour ponctuer ton propre truc parce que, tu sais, c'est comme... C'est complètement connecté à ton cœur, là. Ouais. Fait que... Ouais, c'est ça. Bob Dylan qui chante Shape of You, là.
C'est ça que ça prendrait. J'ai pensé à lui tantôt quand on parlait de Jean Leloup, parce que j'en parlais à PH l'autre jour, puis genre dans les deux dernières semaines, j'ai été complètement obsédé par Bob Dylan. Genre, je faisais que écouter les documentaires de Bob Dylan. Okay. Une obsession profonde. Down the rabbit hole. Comme toi avec Plaxmol. Comme moi avec le Plaxmol, exact. Ça fait deux semaines que j'écoute le film à chaque soir. Wow. Je commence à en sortir, tu sais, puis lui, là, justement, ce n'était un qui, en entrevue, tu sais, il y a un vraiment bon film de Scorsese, un documentaire sur Bob Dylan, qui s'appelle No Direction Home, puis tu vois plein d'entrevues, là. Puis tu sais, justement, ces questions absurdes-là, là, tu sais, qui se fait poser par un journaliste qui soit connaît pas ça, ou soit, tu sais, c'est la même question, tu sais, 12 000 fois, tu sais, puis il laisse jamais passer. Tu sais, il va trouver une twist d'accuser l'absurdité du moment, puis de la question, puis tout ça, tu sais, puis c'est malade. Ah, oh, mais tu sais, c'est ça qui... C'est, ouais. C'est magique, là. C'est tellement précieux, là, ces petits... truc-là, de vérité, ces gens-là qui ont cet esprit-là de le reconnaître tout de suite quand quelque chose est faux, tu sais. C'est ça, dans le fond. C'est comme ce moment-là, il est fake, puis genre, je le ramène ça au réel, tu sais. C'est ça qui est le fun. Il y a un autre moment, il est en shooting photo, là, tu sais, puis là, tu vois, il est mal à l'aise, puis là, il a genre ses lunettes, tu sais. Puis là, le photographe lui dit, genre, mets tes lunettes dans ta bouche, là, genre, les petits bouts. Quoi? Pourquoi je fais ça? Genre, suck them! Puis là, il arrive, faut les mettre dans la bouche du gars qui a demandé. Genre, pourquoi tu voudrais faire ça? Regarde! C'est tellement drôle! C'est tellement bon! Mais tu sais, il était outillé pour faire comme. Je sais pas, là, c'est malade de réagir comme ça en même temps. Ouais. Tu sais, tu vois tellement pas de monde naturel dans la télé. En tout cas, ben. Ça fait longtemps que je regarde la télé, là. Ouais. Mais je sais pas si ça a changé, mais je sais pas. C'est l'impression que j'ai, je vais pas médire. À moins que tu me dises que ça fasse 10 ans, ça a pas bien changé, là. Ben non, je le regarde juste quand je vais dans le coin, dans le bas du fleuve, là. Ouais. Il y a une télé, puis... Là-bas, il y a une télé. Un des derniers endroits au Québec qui ont la télévision. Ouais, non, mais en tout cas, il y a une télé, puis là, il y a dans des village, postes. Il y a une télé, tout le monde va là. Mais il y a des postes, puis là, genre, ma partie préférée, c'est les pubs. De Rivière-du-Loup. Mmh. OK. Les pubs communautaires puis municipales, c'est débile, ça. Ouais. au Saguenay, il y en a beaucoup de ça aussi. J'adore ça. Tu vois, par rapport à ça, tu sais, ça fait, mettons, 2 ans à peu près qu'on fait le podcast, un peu plus. Ouais. Moi, je pensais que pour faire de quoi, parler dans un micro, fallait que t'ailles une diction parfaite, que ce soit « Bonjour tout le monde, bienvenue à nanana », puis que ce soit comme ça, tu sais. Puis on a commencé à le faire, puis là, je me suis dit, je vais quand même pas essayer de faire ça parce que ça va être trop weird, puis tu sais, ça sera pas bon. Chris, à date, non, ça va bien. Le monde, ils sont pas genre, mais pourquoi est-il si comme tout le monde? Ouais. Genre, c'est... Non. Ouais, moi, je me souviens, la première fois que je suis. Pourquoi est-il normal? Ouais. C'est quoi son. C'est comme, il me reconnaît. Je peux pas me voir attirer. Mais moi, je me souviens, la première fois que j'ai fait une entrevue. Là, j'étais comme complètement... Moi, ça me prend du temps à m'en remettre, des fois. Là. J'étais sur le cul pendant 3 semaines. Mais pour vrai, je trouve ça tough, des fois, comme full éclairage. Puis là, mettons, les yeux qui pensent à autre chose, souvent. Puis un sourire démesuré. Ouais. Comme, mais je suis comme, ça se peut pas que je suis si contente les yeux que ça. Sourire démesuré. Sans faire de caricatures trop grotesques, là, les vouvoiements, puis les « Alors vous, Claude Pelgag, tu sais pourquoi? » Mais ouais, c'est ça. Moi, j'aimais beaucoup Pierre Falardeau. Là. Ouais. J'aimais ça, comme j'aime beaucoup ses entrevues aussi. Ouais. Là. Tu sais, parce qu'il est vrai. Il est no bullshit. Ce mot-là, mais vrai. Mais tu sais, comme... Dire, il s'en fout là, de ce que les gens vont penser. Comme il assume que bon, il y a du monde qui font la haine, puis il fait juste passer son idée, puis comme. C'est correct. Puis. Ça prend du courage en crise face à ça. Je sais pas si c'est du courage ou comme juste un laisser-aller. Moi, je pense que c'est un laisser-aller, puis mettons le même principe, là, quelqu'un qui adresse les situations juste parce qu'il est pas.
il fait juste laisser aller puis dire ce qu'il pense. Mettons, t'es dans une date, puis il y a quelque chose qui tombe un peu awkward, puis de faire « Ouais, ben ça, c'était awkward, tu sais. » Juste comme d'adresser cette situation-là parce que tu le sens, tu le feel, tu sens ça, puis à la place de juste comme les deux être un peu awkward dans la conversation, faire comme « Ouais, ben... » C'était bizarre, ça. Ouais, Guilla, es-tu pas à l'aise, hein? C'est ça. Ouais, exact. Ou, tu sais, mettons, je pense à les louanges, à tout le monde en parle, tu sais, qui était comme clairement nerveux. Ouais. Puis là, le gars, il fait, c'est quoi, tu veux-tu t'en aller vite d'ici? Tu regardes ta montre beaucoup, là, il fait, ben, je regarde ma montre quand je suis nerveux, puis en ce moment, je suis pas mal nerveux. Ouais. Tu sais, Guilla, merci de me caler devant le Québec au complet, là. Ouais. Genre, je suis un peu nerveux en ce moment. Ben, tu sais, clairement, il a peut-être oublié qu'il y a du monde pour qui c'est pas naturel. Ouais. Tu sais, lui, il a grandi dans cette affaire-là, ouais, là, la télé, là. Mm-hmm. Puis, je veux dire, c'est tellement pas naturel, cette affaire-là. Comme, tu sais, juste de parler de soi sans cesse, c'est pas naturel. Tu te fais interviewer, tu peux relancer la conversation de l'autre bord. C'est comme pas une conversation. Tu sais, c'est un drôle de truc. Puis toi, Guilla. Non, mais. Il y a beaucoup de niveaux d'étrangeté. C'est quoi ton processus créatif? C'est quoi? Ouais. Même pas un artiste, juste un spécialiste d'un domaine. Tu sais, Laurent Turcot qui se fait poser des questions d'histoire puis qui regarde Guilla qui fait comme. Puis toi, Guilla, comment ça va à la maison? C'est juste comme. Ouais, je comprends que c'est pas ça le but, mais dans le sens que c'est ça, c'est comme plein de trucs. En fait, moi, j'ai pas tant envie de m'habituer à ça, là, mais en même temps, je suis contente d'être moins poche qu'avant. Mm. Mm. Parce que c'est. Tu te sens moins out, là, puis. Ouais. Mais, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Puis vous autres, les gars. quand tu vois les louanges, mettons, être nerveux, genre, tu compatis parce que tu te dis, moi, j'ai passé par là, mettons. Ou Uber, mettons. Ouais, Uber, ouais, j'avais vu ça. Ben. Ouais. Je sais pas. Hein. Je comprends que tu peux devenir fucked up parce que t'es mal à l'aise. Là. Ouais. 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 Puis en même temps, surtout quand la personne est un peu agressive dans ses questions, puis que tu te sens pas nécessairement comme. Bienvenue. Ouais, bien, ouais. Parce qu'il ben, y a aussi temps, ça, des fois. Ben, t'as quand même invité, là. Je veux dire, si tu voulais pas te parler, t'aurais pas invité. Mais as-tu déjà regardé Tout le monde en parle avec en France? Raël? Avec Raël ou avec Nelly Arcan? Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Ben, ça, c'était bad. Oui. Ça, c'est une des pires choses qui existent. Tu le sais, on est conscient que tu peux être invité, pas nécessairement parce que t'es apprécié. Là, mais je pense pas que c'est le cas pour moi, là, mettons, mais c'est quand même quelque chose qui existe. Oui, c'est clair. Ouais, puis les questions sont quand même, tu sais... En fait, en entrevue, là, on parle, tout le monde en parle, mais en entrevue, en général, tu sais, les questions sont quand même touchées, puis t'es pas tout le temps à l'aise de répondre à toutes ces questions-là, j'imagine. Tu sais, des questions, mettons, sur un album comme le tien, qui est quand même personnel, puis qui est par bout quand même dark, ouais, tu sais, c'est genre... Tu sais, c'est genre, peut-être ça me tente pas, moi, de parler d'où cette toune-là vient, tu sais, peut-être ça me tente pas. C'est difficile aussi de pas répondre à une question. Ouais. Il faut que tu fasses comme, ben, je veux pas répondre. Ouais, c'est ça, faut que tu le dises, faut que tu l'adresses, là, genre, ben, je préférerais ne pas en parler. Mais faut le faire. Ouais. Tu dis un maître à genre... pour dire autre chose, pour répondre à la question, puis juste partir sur autre chose. Là. Ouais, puis beaucoup qui font ça. Puis, tu sais, c'est dur. Moi, j'aime pas quand ça devient sensationnaliste aussi, ouais, tu sais, comme d'accentuer le fait que, mettons, ta mère est morte quand t'avais... Puis genre que t'as déjà, je sais pas, des trucs dark, là, mettons, pour comme que le monde ait de la sympathie, tu sais, pour toi, puis que ça te rende sympathique parce que tu fais pitié un peu de... Je sais pas, il y a cette affaire-là, fait que là, tu sais, mon album, ça parle quand même de... C'est comme, ben, une part de darkness, là, fait que je suis comme... Je veux parler de l'album, mais je veux pas parler de exactement pourquoi tous les trucs, puis... Puis en même temps, pis je trouve que ça enlève aussi à l'œuvre, dans le sens où... Parce que si tu l'écoutes vraiment, t'as tes réponses, là, dans le sens que... Ouais, t'as tes réponses. Puis en même temps, moi, je veux que les gens soient capables de laisser errer leurs pensées là-dedans puis de s'approprier le truc. Leur propre interprétation. C'est ça. Puis tu sais, c'est ça, en réalité, mettons, de qui tu parles dans « J'aurai les cheveux longs », peu important. On s'en fout. Tu sais, de qui tu parles. Ouais. Peu important. Non, mais dans le sens que ça va-tu te faire... L'important, c'est l'effet que ça fait sur la personne qui l'entend. Ouais, c'est juste des interprétations. Sur... Exact. Ouais. Tu sais, Mélamine. Là, bon, on aimerait quand même le savoir, c'est pas vrai. Hein? On aimerait ça le savoir quand même. Je pense qu'on mérite ça. Tu sais, il y a du monde qui ont de la difficulté aussi à
en tout cas, juste faire comme, ben, c'est pas nécessairement au premier degré. Ouais. C'est comme Mélamine, là, où il y a plein de tunes, Fiorelise, tu sais, ça parle beaucoup de moi aussi, ouais. Mais ça parle aussi d'expérience, mais ça parle ouais. beaucoup, essentiellement, de moi-même, tu sais, parce ouais. que je suis la personne que je connais le mieux, mais c'est, on est beaucoup dans la métaphore oui, aussi, ouais. fait pis, c'est ça. Pour faire une tune aussi, tu sais, mettons, tu peux vivre ça, puis que ta tune, ça soit ça, dans le sens que, tu sais, tu peux un peu amplifier, puis pour faire une bonne tune, tu sais. Ouais, ben oui, j'imagine. Tu sais, il y a des gens qui sont capables de se détacher en fait du truc puis d'écrire pour d'autres personnes, mm-hmm. d'autres puis avec exactitude. Ça, je trouve ça comme c'est impressionnant. Mm-hmm. C'est comme un auteur, un romancier serait capable de comme parler de la réalité d'un autre puis d'ouvrir la brèche sur cette c'est super impressionnant, là. Ça ouais. demande beaucoup de d'empathie, I guess. Ouais. Puis de recherche. Oui. Faut que tu connaisses, puis faut que tu sois capable de te mettre à la place de ouais. l'autre. Puis il faut qu'on soit. Qu'on y croit, tu sais, à ton histoire, puis que. Ouais, c'est ça, l'affaire. Pour être touché, là. Ouais. C'est ça, l'affaire, puis j'ai l'impression que souvent. Ben, souvent. C'est mon opinion à moi de quelqu'un qui traite beaucoup plus sur les auteurs, compositeurs, interprètes que sur les interprètes, mettons, là, en général, dans mes goûts personnels. Puis on dirait que ça se ressent, ça. On dirait que moi, ce qui me fait triper le plus, c'est quand tu sens la totalité, tu sais. Quand, mettons, j'entends un ou une interprète faire une chanson qui, c'est impossible que ce soit lié à cette personne-là parce qu'on... On connaît, mettons, sa vie, là, tu sais. Mm-hmm. Tu connais la personne, puis tu sais que jamais elle a vécu ça, mettons, là. Tu sais, je veux vraiment pas dire de nom, parce que ça me tente pas de pointer personne du doigt, là, tu sais. Mais ça m'arrive de faire crier, ça marche pas, tu sais, ça. Mm-hmm. Puis ça paraît, pour moi, en tout cas. Vraiment, l'entièreté d'une œuvre, puis c'est probablement pour ça que je trippe autant sur ton art à toi, c'est ça, tu sais. C'est l'intégrité complète de la chose, mm-hmm. qui fait que... Tout se complète, j'imagine. Oui, ben tout va ensemble, c'est sûr. Ouais. En tout cas, dans ce que je fais, du moins, là, et je trouverais ça intéressant aussi. Je pense que c'est quelque chose qui est plus difficile à faire comme aujourd'hui, mais tu sais, Régent du Charme, tu sais, il y avait comme ouais. deux photos là, de lui. Il y en ouais. a une quand il avait genre c'est 20 ça. Ans, puis ouais. une avec son chien. Ouais, que tu vois de loin. Ouais. Fait que c'est comme lui, il a jamais fait. Il me semble d'entrevue. Je pense pas. Il n'a jamais récolté ses prix. Ouais. T'avais aucune idée c'est qui. Mm-hmm. Puis, tu sais, il est mort il n'y a pas longtemps. Ouais. C'est comme. Ah, oh, tu sais. Ouais. Je trouve ça quand même extraordinaire. Comme de. C'est comme un fantasme un ouais. peu de pouvoir. Ouais. Tu sais, créer puis être comme. C'est fou ça. Tu sais, ça demande. Tu sais, à ce point-là, c'est que ça demande un effort dans le sens inverse, là, de vouloir garder l'anonymat à tout prix. Tu sais, mm-hmm. mettons, tu sais, t'as des gens qui font juste ouais, c'est ça. Aujourd'hui, est-ce que ça se pourrait? Je sais pas. Là, sûrement pas. C'est complexe maintenant de pas avoir son image nulle part. Là. Ben, il aurait fallu. Il y a bien des moments, j'aimerais mieux pas qu'il y ait l'article, il y ait une photo comme de. Ouais. C'est sûr que en ce moment, il faudrait juste que tu passes par proxy. Là. C'est-à-dire ça pourrait pas être ta femme qui te représente. Là, parce qu'il y aurait trop de façons de revenir jusqu'à toi. Il faudrait que tu envoies, mettons, à chaque fois que tu finis un manuscrit, tu envoies ça à quelqu'un que tu connais pas, qui a aucun lien avec toi. Puis tu envoies ça d'une adresse neutre, genre, puis ça reste comme ça tout le temps. Tu sais, mettons, il y a Banksy, mettons, là, qui est un artiste. Ouais. D'art visuel. De rue, là, mm-hmm. de graffiti, qui est anonyme. Mais il est ultra reconnu. Mettons, ouais. on sait pas c'est qui. On a des doutes. Là. Mais tu sais, il ouais. y a des exemples, mais il y a peu d'exemples. Ouais. Mais il n'y a pas d'exemples. Y a-t-il des exemples, mettons, au Québec? Contemporains au Québec? Je pense que Régent du Charme, c'est pas mal l'exemple le plus clair. Tu sais, de faire de la musique sans avoir ta face nulle part, mettons. Y en a-tu qui sont, mettons, masqués ou, tu sais, des gens de Deadmau5? Il y a les gars de.
les gars de Gorillaz, pendant longtemps, on savait pas exactement c'était qui, jusqu'à temps qu'on apprenne que c'était le gars de Blur. Là. Ouais, ouais, ouais. Mais mettons au Québec, ça existe-tu, ça? Des masqués au Québec? Des genres de Kiss, là. Kiss, parce que... avant qu'on le sache, là. Il y a une personne qui avait essayé, là. OK. Ouais. Qui? Qui? Ben... okay. Parce que t'as l'air de le savoir. Edgar Bory. Choisis qui? Je sais pas c'est qui. Bon... Je sais pas. On va le googler. Ah. Mais ça serait un tour de force en crise à l'ère des réseaux sociaux d'être capable de faire ça. Là. Tu sais, c'est comme... Ouais, parce que c'est tellement, on est tellement dans l'image. Ouais. C'est, tu sais, c'est rare là, que ça va comme sur la page Instagram de quelqu'un puis le, ou juste que la personne n'a pas de page Instagram. C'est super rare ouais, parce ouais. que les producteurs, souvent, ils veulent que tu en aies une parce que c'est devenu un moyen quand même de rejoindre. Ouais. Puis que tu vas sur la page puis qu'il n'y a pas tout le temps dans toutes les carrés la face de la personne, c'est rare. Ouais. Parce que c'est juste que ton cerveau, il fait... T'apprends que le monde préfère quand ta face est là. Mm-hmm. Fait que là, tu sais, tu t'apprends que dans le fond, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Le cerveau, mm-hmm. il connecte ça. Puis il place ça. Puis là, ça devient mm-hmm. bien important. Tu sais, créer, c'est une manière... de devenir immortel d'une certaine manière. Là. All right. Non, mais tu sais, de j'aime ça. En gros guillemets, là, tu sais, mettons, Clopelgag, quand elle sera plus à terre, là, quelque chose de Clopelgag qui va encore exister, tu sais. Est-ce que ouais. le monde va encore écouter des albums dans 80 ans, on l'espère? Ouais, c'est ça que je me dis en m'en venant, là. J'étais comme. Je suis immortel. Non! C'est malade. J'étais dans mon char, puis je me pinçais, j'étais comme ça. Non, je me disais comme. Genre, peut-être j'aurais préféré laisser comme pas de traces. Ah ouais? Tu disais ça dans le char en t'en venant? Ben, je suis pas venue en char. Tu disais ça en métro en t'en venant? Non, mais c'est juste parce que là, j'ai fait un podcast hier aussi. OK. Puis là, je suis comme. Bon. C'est-tu le fun? Ouais. Moins ici, là, évidemment. Ça sera moins fun qu'aujourd'hui. On a moins rigolé. Mais c'est ça. Puis, non, mais c'est juste de envoyer plein de quantités de trucs de moi qui parle d'affaires sans intérêt, mettons. Mais t'as peur de réécouter ça un jour puis faire genre... J'ai juste peur de pas être d'accord, faire okay. comme, voyons, ta gueule! Ouais, ouais. Mais en même temps, souvent... quelqu'un fait comme « Ah, tu as dit ça cette fois-là. » Puis là, je suis comme « Hum, je suis encore d'accord. » C'est rare que j'ai que je... Mettons, je suis comme « Ah, je suis contente d'être encore d'accord, mettons. » Mais c'est juste tu laisses des places... tu laisses des traces aussi de tes erreurs potentielles de... Je sais pas, tu sais. Imagine si j'avais 14 ans, là, puis là, t'es comme... Toute ta vie est comme... T'as une entrevue de chaque âge, toi, t'es tout comme... Ouais. Mais tu sais, les gens risquent de plus d'écouter tes albums que tes entrevues, mettons, que t'as faites à 25 ans, à telle place, là, tu sais. Très probablement. Mais... Ben, sais... c'est correct, hein. Ouais. Moi, je dis ça, c'est genre une petite part d'angoisse, là, mais... Ouais. Balais ça, puis c'est réglé, là. Pas de place pour cette petite angoisse de merde, là. On s'en fout en même temps, là. Ouais. Mais tout ça pour dire, puis c'est vraiment... C'est peut-être complètement faux ce que je dis, là, mais je pense que, mettons, ce qui drive beaucoup de monde à créer puis à procréer, ouais. c'est d'engendrer quelque chose, tu sais, ouais. de quelque chose qui perdure de toi, une partie de toi qui continue d'exister pendant que toi, tu n'existes plus. Mais ce qui me fait capoter, moi, c'est, mettons, des œuvres du Moyen-Âge anonymes, mettons. Il y en a plein, là. Mm-hmm. Tu sais, mettons, des murales super célèbres anonymes ou, tu sais, des... Puis genre, je sais pas, tu sais, maintenant, aujourd'hui, on dirait que c'est de pas signer ton œuvre, on dirait que c'est une absurdité, tu sais, mais c'est comme, non, à cette époque-là, c'est comme, c'est peut-être la religion aussi, tu sais, non, c'est Dieu, là, c'est pas moi, tu sais, ouais, mais... une offrande... Mais c'est ça, puis c'est comme, la personne, son nom, on aurait pu, mettons, son nom aurait pu être dans les livres d'histoire, mais il le saura pas, parce qu'il a fait, non, pas besoin de signer ça. Je trouve ça beau en même temps. Ouais, mais oui. Si t'avais à décrire, mettons, la façon... Mettons qu'on enlève toutes les règles du jeu comme on le connaît, si on enlève toutes les constructions qu'on s'est faites, comment tu vivrais ton art puis ta vie, mettons? Est-ce que, si, mettons, on enlève toutes les... Tout, de,
faut que tu fasses des apparitions au public, faut que tu participes au système. Comment tu ferais ça? Est-ce que tu serais... Ben, tu ferais sûrement des spectacles encore, j'imagine, mm-hmm. mais est-ce que tu serais masqué, déguisé? Est-ce que tu cacherais ta personne? Est-ce que tu essaierais de garder ça? J'aimerais juste que l'image ait un peu moins d'importance. J'aimerais que le milieu de la musique soit plus grand, dans le sens où qu'on ait plus de diversité, mm-hmm. que ce qu'on considère comme underground puis de gauche, ça soit à la disque, mettons. J'aimerais ça que ça soit... qu'il y ait plus de surprises, tu sais. Mm-hmm. Puis qu'il y ait plus de gens qui puissent... dans le fond, ce que je pense, c'est plus un truc collectif que pour moi-même, là. Comme, je veux dire, je peux pas me plaindre, là, ça va quand même bien. Mm-hmm. Il y a comme... des trucs inquiétants là, dans ce milieu-là, quand même. Quelqu'un me disait que maintenant, il y avait des auteurs, des gens qui travaillaient comme pour créer une toune pour des playlists, ouais. qui rentreraient pour une playlist. Puis, je sais pas, je trouve ça un peu comme... loser, ça, comme ça façon. Dénature l'art. C'est un peu, ouais, je suis comme... Ben, c'est plate, mais je pense que ce genre de truc-là, ça a toujours existé, de toute façon. Tu sais, le faire de l'argent avec une personne, puis de faire de l'argent avec l'or, là, ça a toujours existé. Mais ça m'a toujours déprimée. Ouais. Tu sais, toutes les histoires d'avant, tu sais, la jeune chanteuse interprète, que tu y mets des tunes, tu y donnes des tunes, puis que elle se ramasse à la fin, puis elle n'a plus rien, puis elle... Et sous la tutelle de son père qui s'occupe de ses affaires. Ouais, je trouve ça affreusement triste. Je disais sur... je disais comme Romain Gary. Mm-hmm. Puis je disais sur Jane Seberg aussi, l'actrice qui était sa femme. OK. Puis c'est une actrice française qui a vécu aux États-Unis et tout. Puis tu sais, son histoire est super triste, mais c'est comme l'histoire de plein de gens. De voler, en fait, l'image de quelqu'un, puis... Je sais pas. C'est quoi son histoire, mettons que tu nous la résumes? Elle a joué dans Jeanne d'Arc. Ça a été son premier rôle quand elle avait 17 ans. Elle est partie de sa ville natale. Est arrivée, mettons... dans le grand monde du cinéma, du show business. Puis là, finalement, elle était très mauvaise dans le film. Okay. Fait qu'elle s'est fait descendre par la critique et tout. Ensuite, un peu plus tard, elle s'en est remise un peu, mais pas tout à fait. Puis là, après, elle a joué dans un film de Jean-Luc Godard. C'est vraiment niaiseux parce que j'ai un blanc de mémoire, puis je me souviens plus du titre, mais c'est... Le monde feront leur recherche. Bref. Puis, c'est le genre de moment parce que, mettons, mon frère serait utile. Oh, ouais, ça ferait. J'aimerais tellement savoir quelqu'un qui fait comme parce ça. Parce qu'il y aurait toutes les réponses à ces questions. Mais ça, puis. Puis, aïe, je suis en train de me perdre dans mon truc. Jouer dans le film de Godard en prêtre, ouais, revenu comme, un petit ça, peu. De... Ça a remonté un peu son truc parce que c'est comme la figure de la nouvelle vague, dans le fond. Ouais. Qui est devenue. Après, ça a rejoué dans d'autres films. C'était comme pas full des grands succès. Après, ça a eu des liens avec les Black Panthers. Puis tout ça, t'es comme poursuivi par le FBI. Genre, son image a été un peu très salie. Puis ça a toujours été comme quelqu'un... Son image n'y appartenait pas, dans le fond. Mm-hmm. C'était comme une nouvelle tout le temps. OK. Puis elle était retrouvée morte dans un coffre de voiture. Oh, ouais. Mais comme ça a été dit comme un suicide, là, on sait pas trop. Dans tous les cas, c'est tragique. Ben, c'est juste... ça n'a même pas rapport tant là, que je raconte cette histoire-là, mais c'est quoi le lien avec Spotify, dans le fond? Non, mais tu sais, mais des exemples... C'est définitivement l'image qui dicte, ouais, la l'affaire de l'image, je sais pas. J'ai quelque chose de malsain quand que c'est ça, quand que t'es un produit en tant que personne. Tu sais, tantôt, je disais...
sais, je faisais une référence à Britney Spears, là, tu sais, quand je disais, t'es sous la tutelle, ton, elle, je veux dire, elle a été prise ado, tu sais, même enfant. OK, on fait une star, on fait son image, on écrit ses tunes, tu sais, tout est fabriqué. Puis après ça, elle, tu sais, elle a. Il lui reste quoi, tu sais, dans le sens que ça l'a complètement ruiné sa santé mentale. Ça l'a, tu sais, ça a été bon, ça a profité à plein de monde, mais ça n'a pas vraiment profité à elle, tu sais. Non, c'est ça, c'est comme de faire de quelqu'un un produit, mais. Ouais, c'est triste, les histoires. Puis, ben, tu sais, je parlais de ça en musique, mais c'est juste. Je pense que ça existera toujours, ce truc-là. C'est comme. En fait, c'est la même chose, quelqu'un qui travaille pendant des années pour une compagnie dans laquelle il n'est pas respecté, mais qui continue avec eux parce qu'il va être fidèle puis avoir sa retraite, tu sais. Tu te fais utiliser dans un truc, tu sais, tu donnes ton talent à quelqu'un, puis ça, après, quand tu finis de tu sais, ton travail, t'arrives à la retraite, tu sais, je sais pas, j'ai l'impression que c'est le cas quand même beaucoup. Souvent, c'est comme, j'arrive à la retraite, je sais pas quoi faire, tu sais, parce que la personne n'a pas découvert c'est quoi ce qui le passionnait vraiment. T'es démuni, là, t'as toujours été placé, t'as toujours suivi la ligne. Les publicités te disent qu'est-ce qu'il faut que tu t'achètes avec l'argent que tu fais, puis te créer des besoins. Puis quand t'as tout, t'es... Qu'est-ce que j'aime, dans le fond? Je sais pas ce que j'aime. C'est comme ça, c'est comme un... au vertige quand t'arrives là, j'imagine. Puis si on n'en parle pas là, dans les idées qu'on t'envoie, tu sais, il faut juste que t'aies une voiture, ta famille, que tu correspondes à plein de choses. Bref. Faut juste... Mais c'est ça, je pense que l'art, ça amène comme une lumière là-dedans, puis ouais. Tu sais, j'aime entendre parler des gens comme Jean Leloup qui fait, bon, je me suis acheté des REER, puis finalement, je fais fuck off, je suis partie, là. Tu sais, comme, ça peut donner des idées aussi à du monde qui sont pas bien dans leur... Ouais, tout à fait. Sais-tu sur quoi il trippe Jean Leloup ce temps-ci? Non. Il y a un de mes amis, son beau-père, c'est un guitariste classique, puis il fait des tournées, tu sais. Ah, il, c'est bon, cette histoire-là. Il va jouer partout dans le monde, tu sais. C'est vraiment un concertiste de guitare classique, tu sais. Puis lui, il trippe sur les guitares... Il y a comme genre 20 guitares anciennes, là, genre du 17e, 18e siècle. Tu sais, des vieilles guitares de luthier, okay. Tu sais. Puis l'autre jour, mon ami dit, « Hey, Jean Leloup est chez ma mère. Il achète des guitares à David, tu sais. » Puis je fais, « Hein? » Puis Jean Leloup, il s'est pointé. Puis il est reparti avec deux guitares du 18e siècle. Genre deux guitares anciennes. C'est malade. Puis apparemment, genre... David, il a fait un pause, genre, fait que j'ai vendu deux guitares à Jean Leloup aujourd'hui, tu sais. Puis là, il y a du monde qui commentait, hey, moi aussi, m'a acheté une guitare. Il est dans un buzz. Dans un buzz, j'achète des guitares anciennes partout. Il trippe. C'est malade. C'est le fun qu'il fasse un album musique classique. Peut-être avec... ça qu'il me prépare. Peut-être j'ai vendu son punch. Peut-être j'ai vendu son punch. Man. Fuck. Ah, fuck. En tout cas. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Qu'est-ce qu'on te souhaite? Qu'est-ce que. Tu es en train de clore, là. Ouais. Qu'est-ce qui s'en vient? Ben. Noël. Noël s'en vient. Noël t'as-tu s'en vient. Ton album de Noël qui sort le 22? Tu ris, mais j'ai écrit une toune de Noël l'année passée. Là, je pense que je t'as écrit les paroles? Fait que t'as pas pris une toune qui existait puis tu l'as... Ah non, j'ai composé une toune de Noël. Comment? Ça me fascine. Okay, parce que, mettons... Raconte-nous ça. Tu sais, Sufjan Stevens qui a sorti... des albums de Noël, mais c'est comme... T'inventes des chansons de Noël. Tu sais, dans ma tête, ça se pouvait plus maintenant inventer. Déjà assez. Qu'est-ce qui fait que la toune que t'as écrite, c'est une toune de Noël? Ouais, c'est qu'est-ce vrai. Qui fait que c'est une toune de Noël? Dans le fond, c'est peut-être pas une toune de Noël. Mettons, pourquoi tu la qualifies de toune de Noël? Ben, ça parle de Noël. T'as pas de Noël? Ça parle de Noël. Est-ce que tu dis, mettons, les enfants sur le sapin déballent les cadeaux, mettons? Non, c'est une toune qui parle de quelqu'un qui est seul à Noël. Ah. C'est une toune triste de Noël. OK. Une des plus tunes de Noël, c'est... c'est sûr. Tu sais, River de Johnny Mitchell, c'est une tune de Noël. Ah ouais? Ben oui. Ah. Tu réécouter ça? OK, ben je vais la mettre... Mais la question, c'est... Ça reste la question demeure de qu'est-ce qu'une tune de Noël. Ben... Elle paraphrase le thème de Vive le vent dans son jeu de piano. Aussi. C'est vrai? Ah, oh, fuck. Vous êtes connectés, toi puis Johnny, vous êtes connectés. Moi aussi, je fais ça. Ah ouais? Il y a un... Oups.
Oups! Ben, je vais aller écouter, réécouter la toune. Mais oui, c'est vrai. Mais oui, ça me dit okay, de quoi, ça? De quoi? La toune de Johnny? Tu me diras si c'est exactement la même toune que toi. Il va peut-être falloir que... Si c'est la même affaire, peut-être falloir que tu changes un accord. Mais c'est elle qui a plagié la toune de Noël. Là. On a ouais, Vive le vent existait. On a tout le droit de plagier Vive le vent. Je pense que c'est libre de droit. Ouais, ça a passé clin d'œil. Ça a passé les 70 ans. Ouais. Oui, je m'en souviens. C'est dans l'intro? Ouais, dans l'intro. Mm. Puis dans les paroles aussi, elle dit... Genre, Christmas s'en vient. Là. Elle dit Christmas s'en vient. Christmas s'en vient, elle a... Ah, mais oui. Ouais. C'est assez obvious quand même, ça. Bonne toune de Noël. Mais tu vois, c'est parce que ça... Je la rajoute. Tu sais, à ma question, qu'est-ce qui fait que c'est une toune de Noël, c'est que ça, c'est clairement le thème de Vive le vent. Ouais, là, ouais, c'est que ça donne un indice de c'est Noël. C'est ça, ça donne un indice que c'est une toune de Noël, ouais. Tu sais. Mais comment si les chansons de Noël sont devenues des chansons de Noël? Ben ça, c'est la bonne question. Mais la plupart, à part les paroles. Ouais, la plupart parlent de Noël. Faut que ça parle de Noël, dans le fond, il n'y a pas de presque... Voilà. Moi, je pense qu'il y a d'autres affaires. Moi, je pense que souvent... Des grelots? Souvent, il y a des grelots. Mm. Tu sais, mettons, All I Want for Christmas is You, il y a les grelots, tu sais. Ouais, c'est un son de grelots. Puis, dans la composition, c'est beaucoup. C'est souvent comme un peu des standards de jazz. Tu sais, mettons l'harmonie, tu sais, puis la forme. Fait que tous ces éléments rassemblés font que ça fait un tonne d'honneur. OK. Thématique à connotation religieuse aussi. Ouais, mais tu sais, mettons, t'as les tonnes de Noël pop, t'as des tonnes de Noël chrétiennes, mettons. Ouais, mais tu sais, justement, Sufjan Stevens, c'est religieux pas mal, ces affaires-là. Ouais, c'est pop, mais chrétien. Pop, mais chrétien, ouais, mm-hmm. C'est ça. C'est comme du pop, Christian pop. Mais tu sais, mettons, Minuit chrétien, c'est une toune de Noël chrétienne. Ça, c'est la meilleure toune de Noël. J'aimerais quand même faire un album de Noël. Ben oui. Ben, vas-y. Pourquoi pas? Go. Ben, non. Pas là, mais... Ouais, non, merci, non, finalement. Mais... T'es pas devenu la Michael Bublé du Québec? Quoi? T'es pas devenu la Michael Bublé. Comment il faut le dire? Comment tu le dis? Je le dis jamais. Je prononce jamais. J'ai jamais prononcé jamais son nom. C'est Voldemort pour moi. Hey, avant de clore, là, je veux qu'on parle de... Il y a un gars. Je vais faire une intro, mais tu sais exactement qu'est-ce que je vais dire. C'est une joke que t'es en train de comprendre. Ah oui, oui, non, c'est vrai. Quelqu'un rentre dans un bar. Ouais, je sais qu'est-ce que tu vas dire. Il y a un gars qui fait des vidéos sur YouTube, qui s'appelle Anthony Fantano, qui fait des reviews d'albums. C'est probablement, à ce jour, aujourd'hui, le critique d'album le plus influent dans le monde, I guess. Un des plus influents. Mm-hmm. Puis, il a fait une review, il a fait une vidéo sur son album. Ouais. C'est quand même sick. Oh, ouais? Non, mais c'est incroyable. Ouais, c'est drôle. J'étais comme... Tu le connaissais-tu avant qu'il fasse ça? Ouais. Mais moi, j'avais vu que t'avais posté qu'il avait commencé à te suivre, genre, sur Instagram, je sais pas trop. Ben, moi, je le connaissais, mais je le connais depuis, genre, un an, là. OK. Je sais que c'est lui qui a un peu popularisé... Ben, popularisé. En tout cas, un album de Daughters. Mm-hmm. OK. Parce qu'il y a eu un très bon review, puis ça a comme... Ouais. Il fait ça pour plein d'artistes. Ouais, ouais. Tu sais, review les trucs vraiment mainstream, mais aussi prend des artistes qu'il trouve vraiment bons. Puis ça les aide vraiment à propulser. Mais là, je pense que c'est la première fois que c'était comme en français, genre un truc. OK. Puis il l'adresse comme pas. Tu sais, dans son vidéo, il l'adresse vraiment. Tu sais, il fait pas genre disclaimer, celui-là est en français. Il fait juste comme parler comme toutes ses autres critiques. Là. Ouais, mais. Ouais, c'est comment fun. Tu penses qu'il t'a trouvé? Je pense que. Il y a beaucoup de gens, quand l'album est sorti, ben. Je sais pas si. Il y a un site. Rate Your Music? Hein? Rate Your Music, c'est ça que tu allais dire? C'est ça? Je sais pas. Album of the Year. Ah, OK, ouais, ben c'est ça. C'est peut-être la même chose. Ça, c'est, ben, je connaissais pas ça, moi. Ça, mais... c'est la théorie à mon frère. C'est que mon frère, c'est genre le plus grand follower de Fantano, mettons. OK. Puis il dit, il y a beaucoup de trucs, mettons les trucs plus obscurs, entre guillemets, tu sais, qui review. C'est des trucs, mettons, qui sont vraiment bien cotés sur Rate Your Music, puis il va souvent voir là. C'est quoi les trucs que le monde aime, qu'il connaît pas, puis il écoute, puis s'il aime ça, il fait une review, genre. Ouais, je pense qu'il y avait comme un gros intérêt sur ce truc-là. Puis je suis comme, je sais pas trop pourquoi, genre, cet album-là, parce que les deux autres, ils ont pas... Puis il y a des gens qui m'ont écrit... qui disait en commentaire, genre review Notre-Dame de sa douleur.
Puis je sais pas, ils doivent pas être des milliers à avoir fait ça non plus. Ouais. Là, fait que je suis comme, ouais, mais... À un moment donné, il s'est mis à me follower, puis ben, j'ai comme... Là, tu savais-tu que ça en venait, mettons, quand il t'a followé, t'as-tu ben, fait genre... Là, ouais, j'ai comme un petit... Un petit... Puis quand il a sorti ça, comment, tu sais, c'est quoi qui s'est passé pour toi? T'as-tu fait genre « Oh my God »? Ouais, j'ai fait « Oh my God » quand même. Ben, ouais. C'est parce que c'est tellement rare, tu sais, la musique en français, là, au Québec, ouais. Là. Tu sais, c'est tellement... C'est un petit milieu, comme... Puis ça sort pas beaucoup de là, tu sais, ouais. Comme... Tu vas un peu en France, avant France, mais il y a aucun artiste québécois en France, même si souvent on arrive à essayer de te le faire croire, mais ça explose jamais, à part... Les seuls trucs qui ont vraiment explosé, c'est ben, les Cowboys fringants. Ouais. Mm-hmm. Je pense qu'il y a le truc aussi très exotique, un peu, ouais. Pour eux. Mm-hmm. Puis, ben, Cœur de pirate, le premier album. Mais sinon, là, mm-hmm. Genre, il y en a pas vraiment. Fait qu'on est très, comme, ici, ouais. Même Canada, anglais, on va rarement... les États-Unis encore moins. Donc, tu sais, pour moi, j'étais comme, quoi? C'est malade. T'as-tu vu des effets immédiats? Y a-tu plus de monde qui t'ont suivi soudainement? Pas tant que ça, non. Mais je suis juste contente parce que, tu sais, je veux dire, les gens qui s'intéressent... Faut d'abord que tu sois aussi... que tu t'intéresses à quelque chose qui n'est pas en anglais. Mm-hmm. Ouais. Ce qui est déjà un grand pas pour des gens dont la langue première est l'anglais, mm-hmm. Puis qui ont accès à absolument tout dans le monde qui est fait pour eux. Est-ce qu'ils sont prêts à faire l'effort d'écouter quelque chose dont ils ne comprennent pas les paroles? Moi, c'est aussi le truc que je trouve vraiment le fun, qui a fait la... Tu sais, ils ne comprennent pas les paroles. Mm-hmm. Puis comme... Mais il a quand même analysé... C'est basé sur... Ouais. Il parle un peu des paroles, à un moment donné, mais... Dans la fonte, justement, là. Ouais. Il dit comme l'espèce de jeu de mots que tu fais, là. Ouais. C'est quand même nice qu'il ait pogné ça, mettons. Ouais, c'est ça, mais là, je me demande, il y a quelqu'un qui l'a traduit pour lui, comme je comprends pas. Je pense pas qu'il parle français, là. Donc, je suis pas trop compris, mais... il met dans Google Translate. Ouais, ça donne pas le même impact. Non, c'est ça. T'sais, fait qu'il y a comme... Il y avait pas la sensibilité au texte avec la musique, tu sais, puis il a aimé ça pareil. Puis la critique comme telle, qui était majoritairement positive, ouais. Là, est-ce que t'étais en accord avec ça? Est-ce que toi, ouais, ça ben, résonnait bien avec toi? Tu sais, ce que j'aime de lui, en fait, c'est que ça... prémisse, c'est juste mon avis. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, il n'y a pas la prétention de dire j'ai raison. Ouais. C'est comme lui. Moi, je pense ça. Tu sais, puis comme il y a une de mes tunes préférées dont je suis plus fière qu'il n'y a pas tant aimé, puis je trouve ça hot. Parce que, tu sais, c'est pas juste quelqu'un qui est comme gratuitement comme tu es la merde, hein, genre. Tu sais, lui, ça y a moins parlé, c'est bien correct. T'sais. Moi, ça m'enlève pas que je l'aime beaucoup, puis je suis fière de cette tune-là, puis je trouve que c'est une très, très bonne chanson. Mais pour moi, tu sais, pour ce que j'ai fait, puis ce que je connais, puis mes capacités, je trouve ça le fun de pouvoir, comme, être content d'un avis moins positif sur une tune, tu sais. Ouais. J'écoute... Je suis beaucoup plus ouverte à ça que quelqu'un qui a pas de culture musicale, qui comprend pas ce que j'essaie de faire, qui s'est pas penché sur la question, qui a pas de référent, qui aimerait pas ça, tu sais, ça, je serais comme, ben, il te manque peut-être des... Tu sais, moi, il y a plein d'albums, tu sais, des super gros albums que je trippe pas, là. Puis ça veut pas dire que c'est pas bon. Fait que... Moi, je déteste Queen. Ouais. Ben, c'est bon, Queen. Là. Je sais que c'est bon, je sais que c'est reconnu mondialement comme étant bon, là. Mais moi, j'aime pas ça. Moi, j'adore Gentle Giant, tu sais, puis il y a plein de monde qui haïssent ça pour mourir. Puis ça me dérange pas qu'ils aiment pas ça, tu sais. C'est pas en mode, c'est ainsi, aimer le prog. Non, c'est pas. Non, je pense pas. C'est pas en mode en ce moment, aimer le prog. Ça revenait. C'était à mode à un moment donné. Ben, c'est à mode. Ça a été à mode pendant que c'était la mode, là. Ouais. Je pense pas sûr que ça va revenir, je sais pas. Mais c'est cool parce qu'on est... C'est comme aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est tous les uns contre les autres. Puis c'est comme la norme, c'est il faut que toi, ton opinion, si l'autre n'est pas d'accord, il faut qu'on soit contre. Tu sais, il n'y a pas beaucoup
de comme j'entends, je suis pas d'accord, mais c'est correct. Il y a pas beaucoup de ça, on voit rarement ça. Puis souvent, quand si t'es pas d'accord avec quelqu'un sur un point, c'est comme mais t'es dans un asti de genre trou de cul là-bas. Le monde a besoin vraiment de plus de ça, là. Beaucoup plus de ça. Les raccourcis sont tellement violents, puis ça manque tellement d'écoute, puis de, d'empathie, puis genre juste d'écoute. Là. On partira pas là-dessus, on pourrait parler longtemps, mais je pense vraiment que, mettons, les réseaux sociaux, de leur nature, fait qu'on se parle plus face à face, on argumente, puis on, t'sais, il n'y a pas de dialogue, là, c'est juste on se campe dans nos positions de plus en plus. Puis il y a plein d'affronts qui n'auraient jamais lieu si on était face à face. Ouais, tu sens le ton de la personne, tu vois ses intentions, la personne n'est pas comme de même, alors qu'à l'écrit, souvent, la personne elle a l'air de même, mais elle est peut-être juste comme ça. Ben oui, c'est ça. c'est ça, je pense. J'ai vu... Ce sera le mot de la fin. J'ai vu le commentaire le plus absurde que j'ai vu toute ma vie. Okay? Oh, c'est quoi? C'est un groupe qui s'appelle les accros du Costco. Okay? C'est du monde qui vont au Costco puis qui se partagent quand il y a des deals. Genre, voici à Saint-Bruno, il y a des deals sur les bobsleighs. C'est pas une page satirique. Non. C'est genre vraiment, c'est du monde qui trippe Costco, qui ont leur carte, qui font genre, hey, là, il y a un bon deal sur les l'humus, mettons. Là, t'sais. Puis là, il y a une fille, elle fait juste, elle monte, c'est des haricots noirs. T'sais. Puis là, elle dit, hey, la fille, elle reconnaît pas les haricots noirs ou elle sait pas c'est quoi. T'sais, elle dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? T'sais? Puis là, tu sais, je veux dire, fair enough. Là. Puis le premier commentaire, c'est une madame qui dit, ah ben, hostie, elle sait même pas c'est quoi le haricot noir. Crise de folle. Puis là, je vois ça. Puis là, en bas, c'est juste du monde qui répond à la madame en faisant, madame, vous avez aucun sens. Vous avez un problème. Puis moi, j'ai vu ça, j'ai fait les réseaux sociaux, là. C'est ça que ça fait. Mais là, les gens... Non, les gens répondaient à madame. Tu sais, la madame, il y a plein de monde qui dit, ah, c'est des haricots noirs, vous pouvez vous en servir dans du chili ou whatever, tu sais. Puis il y a juste cette madame-là, puis les gens répondaient à cette madame-là en faisant, madame, vous êtes une crise de folle. C'est quoi votre problème, là? Dans quel monde vous vivez que vous insultez gratuitement quelqu'un qui demande c'est quoi ça? Elle voulait du piquant. Ah, sûrement. Elle voulait du piquant dans sa vie. En tout cas. Je sais pas. La confrontation. Non, mais pas savoir c'est quoi de haricot noir, quand même. Mais faut-tu une crise de folle, là? Hey, merci infiniment. Merci. Super, une belle conversation. C'est agréable. Puis c'est ça, on encourage tout le monde à écouter ton art. Oui. Yeah.